Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les années 80! Bonsoir! Pardon. Bonsoir! 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 Je me transforme en animatrice 80s, donc je vais parler très fort et comme ça toute la soirée! Oui, ça va être la folie! Tu vas faire des bip bip! Ouais! Dorothée Major Zéro! Je vais pas faire ça, sinon tout le monde va partir! Dorothée Major Zéro, j'aime beaucoup! Dorothée Major Zéro, mais si on est aussi fou que pas de pitié pour les croissants, j'ai envie de te dire, ça va tuer une soirée. ça c'est mal barré pour le reste de la soirée, si c'est le cas. Je vous fais des coucou à tous et toutes dans le chat et à tous les gens que je ne connais pas sur les chaînes de mes camarades qui me font le plaisir de venir jouer un JDR ce soir. Oui. Et ben, je me présente très vite et je leur laisse très vite la parole pour qu'ils vous disent qui ils sont et surtout qui ils vont jouer. Donc je suis Linou Major Zero, je serai la MJ pour ce soir et on va jouer avec le jeu Dirty System car je suis éditrice et créatrice de jeux, donc voilà c'est mon jeu. Sur ma chaîne évidemment les gens connaissent tout ça. Je vais laisser la parole à mes invités de marque, on va commencer par Lox. Coucou Lox. Oh déjà, attendez, oui. Coucou. j'étais pas prête. Coucou, bah moi c'est Lox de la chaîne Lox TV et c'est moi. C'est... La fameuse. J'en peux plus. Et déjà, je vous remercie beaucoup d'être là parce que c'est moi qui suis un petit peu allée vous grappiller pour ça. Et il faut savoir que ce JDR, si j'ai voulu chercher des gens, enfin, je savais déjà à peu près avec qui je voulais faire, vous l'avouez, mais si j'ai voulu le mettre en place, en tout cas, dans l'idée, c'était à cause d'un sub-bâton que j'ai fait l'année dernière et c'était un défi. Et les gens avaient l'air très emballés par ce défi. Du coup, bah, on a atteint ce qu'il fallait pour le défi. Du coup, je me suis dit, OK, bah, c'est parti. Maintenant, il me faut que je mette en place ça. Et surtout que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse. Et bien, il s'avère que je connaissais Booba, qui est juste là. Et que celui-ci avait comme MJ, on va dire, attitré. Parce qu'il faut avouer que c'est un petit peu votre... Vous êtes un peu un duo, une team très régulière. Et que vous bossez ensemble en plus, et ben, il m'a parlé de Linou que je connaissais déjà parce que j'avais déjà vu son taf et tout ça. Et il m'a dit que peut-être ça pouvait l'intéresser. Et il s'avère qu'en plus, elle a eu une idée de tourner ça d'une certaine manière et tout ça, qu'elle vous expliquera mieux. Mais à la base, je partais sur une murder party. Et on en a discuté tout ça. On a convenu que c'était pas vraiment la chose la plus facile à mettre en place, notamment quand on n'est pas en présence des gens. Donc Linou a proposé après son propre scénario qu'elle avait déjà pu tester de JDR slasher, donc qui se base sur un slasher movie dans l'idée et qui va prendre un petit peu plein de ce sera le contexte très classique du JDR, enfin du slasher que vous connaissez dans les 80s et tout ça et ça nous a pas mal emballé. Booba était chaud aussi pour l'aventure, donc après bah, j'ai eu juste à chercher mes mates qui ont accepté de participer. Merci à vous. Et du coup, c'est ainsi que nous sommes là ce soir. Bravo. Merci. Bravo, c'est super giga géant. Merci beaucoup d'être venu. La maîtrise de radio. Wow. Oui, ouais. Ça fait radio un peu, oui. Ah, c'est génial. Raconte-nous d'où tu viens, t'appelles d'où. Alors du coup, maintenant, on va passer à Aurel. Salut Aurel, comment tu vas? Mais bonsoir Linou, et bonsoir les copains. Bip bip. Salut Aurel. Ouais. Eh ben, écoutez, bonsoir tout le monde, bonsoir dans le chat, bonsoir dans tous les chats. Moi, je suis très content. Bonsoir dans tout le monde. Ouais, dans tout le monde, ouais, absolument. Non, et voilà, non, ça va être cool. Je sais pas. Ah oui, j'ai pas présenté mon perso, c'est vrai. Peut-être que je vous présenterai à la fin, limite. Ah, oui. Vous pouvez présenter vos persos et je reviendrai après, vu que j'ai beaucoup parlé, comme ça, voilà. Donc, vous pouvez, je pense, présenter vos persos. Au pire. Ouais. Ah, pardon, attendez, il y a mon enfant qui m'appelle, alors ça commence. Ah. Bah, sinon, je prends la relève. Je prends la relève. Ça marche. Je vais le faire. Et bah, du coup, on va présenter nos persos. Et moi, je suis, comme vous pouvez le voir, vous avez les noms ici, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un doute, c'est assez visible. Je suis Barbara Montgomery, issue d'une famille fortunée. Je suis la sœur de Kyle qui est là. Et j'ai un. J'ai. Comment dire?
J'ai plusieurs hobbies et passe-temps, mais faut avouer que moi, mon truc, c'est plutôt les énergies. Et du coup, je vais avoir un peu... voilà, je suis là un petit peu aussi pour me ressourcer, même si en fait, j'ai pas le choix. Et ça va être un peu... voilà, ça va être intéressant un petit peu de voir un peu ce que je peux apporter au groupe qui est plutôt assez terre à terre. Voilà. J'ai 17 ans. Mais je pense que tu seras un apport, tu seras un apport qui permettra d'ouvrir un peu les chakras aux personnes qui en ont besoin. Ah, je le sens. Dans les ondes. Je ressens tout là. je ressens beaucoup là. Donc voilà, en gros, évidemment. N'hésitez pas. Voilà, c'est mon personnage. Donc Barbara ou Barbab pour mes potes. Mais je n'ai pas beaucoup ici. Ah, alors on me laisse un message à votre attention dans le chat du Twitch. Alors c'est Mimozo qui me dit Linou, désolé, on n'entend pas Aurèle. Sur le chat, peux-tu lui dire s'il te plaît? Alors je ne sais pas trop ce que ça signifie. Mais... Ben, je sais pas. Ah, c'est chez toi Aurèle, peut-être qu'on n'entend pas le son du micro peut-être. Ou le mais son parce que vous entendez tout le monde sauf Booba et moi, c'est ça? Cliquez. Ah ouais, non, mais à peine arrivé, mon frère, faut qu'il attire l'attention de toute façon. Comme d'hab. Calmez-vous, ça marche. Calmez-vous un petit peu là. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de l'ordre? Et est-ce que Lyle pourrait prendre exemple sur sa sœur et se présenter, s'il vous plaît? Ce serait assez bien sympa. Sûr. Tout à fait. Ben alors, je m'appelle Kyle Montgomery. Et je trouve ça assez étonnant de devoir encore se présenter, parce que bon, je crois que tout le monde me connaît à peu près. Je suis quand même, pardon, mais un peu, quand même, on va dire un des gars les plus popus du lycée quand même. On en est là, les gars, donc voilà. Non, mais écoutez, moi, si je devais décrire mes passions dans la vie, on dirait que ça serait la musique, écrire du rock. J'écris, je chante, je joue de la guitare, j'ai mon groupe. Les Wild Obsessions, ça c'est le nom de mon groupe. Je suis chanteur, je suis leader guitare. Et je fais un peu de sport aussi, c'est vrai que je me débrouille pas mal. Et voilà quoi. Je crois qu'on peut dire que la vie me sourit plutôt bien et j'essaie de lui rendre. C'est beau. En effet, comme dit notre cher Boom, ton groupe déchire un max. Bah, on est d'accord, c'est grave Champ Max, ouais. On est absolument d'accord. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, dans cette petite équipe qui va partir en week-end nature, comme vous avez compris, je vous donnerai le contexte dans un instant, on a également Bruce Davis, qui est interprété par Booba, que vous connaissez sur ma chaîne. Alors, c'est qui moi, Bruce madame. Davis ouais Bruce Davis, sans vouloir me vanter, je suis un petit peu la caution intellectuelle du groupe. Personnellement, je suis quand même un petit peu très pointu sur tout ce qui est nerd, tout ce qui est les technologies de pointe, les Walkman, les trucs comme ça, et aussi la pop culture. Hein, de toute façon, je partage le prénom le plus cool de la Terre, Bruce, comme Bruce Wayne, Bruce Banner, Bruce Lee, Bruce Dickinson, et encore plein d'autres Bruce super. Donc c'est un petit peu moi quand même le meilleur. Sauf que de temps en temps, ils ne sont pas très cool avec moi. Ça, c'est parce qu'ils sont un petit peu jaloux de mon talent. Et du coup, ils cassent mes lunettes, par exemple. Mais je sais les réparer. Donc voilà. Et il est possible aussi que parfois, il y en a des qui me donnent un petit peu leur devoir à faire. En échange de menus monnaie. Ça s'appelle de l'échange, hein. On échange de bons procédés. C'est vrai. Très bien, ça. Tu l'as dit à tes professeurs, Bruce, ça? Allô? On m'appelle. Bruce? Attendez, je pense que. Non, mais on appelle Bruce, on appelle. Il va revenir. Il nous faudra des noms, Bruce. Il nous faudra des noms. Tu vas passer chez le directeur. Il nous faudra des noms, Bruce. Oui, d'accord. Mmh. Oui, madame. Oui. Je préfère ça. On avait dit discret, quand même. Et en effet. Nous avons la professeure qui va emmener tout ce petit groupe en classe de nature, classe découverte. Bah écoute, je t'en prie, hein, Soutane, présente-nous qui est un petit peu le professeur Cindy Smith. Bonsoir, Cindy Smith, grande professeure de psychologie, de
de toute cette chose très intellectuelle dans ce lycée, bien sûr, j'ai décidé de prendre ce groupe d'élèves avec moi pour le week-end, bien sûr. Je trouve que c'est bien de se rapprocher de la nature et c'est comme ça qu'on verra leur vrai potentiel, leur vraie force de personnage, leur caractère et qu'on pourra apprendre à développer un petit peu tout ce qu'ils ont en eux et faire jaillir leur vraie personnalité, qui ils sont, qui ils peuvent être et qu'on pourra voir ces personnages magnifiques s'apprendre eux-mêmes, apprendre des uns des autres et vraiment consolider les liens qu'on a entre nous et bercé par la psychologie, je pense qu'on peut faire des choses incroyables dans ce petit week-end au Lake Ali, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, madame. Ah, ça y est, fait faillot. Pareil. Un petit point de plus. Un petit point de plus, mais c'est uniquement parce que je veux un ticket pour ton prochain concert. Mais vous l'avez déjà, madame. Ces concerts, ils sont gratuits. Ah, j'enlève ton petit point. Moi, je vous laisse ma place en tant que vous voulez, j'entends tous les jours dans ma chambre. Ah. Chanceuse. Eh bien, nous allons commencer. Et puisque vous savez avec qui nous sommes, je vais vous expliquer dans quel contexte nous sommes. Et ensuite, vous allez voir que ils vont devoir affronter pas mal de péripéties. Je vous explique rapidement donc le contexte et les règles qui vont sous-tendre ce jeu qui sont très 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 faciles. On joue donc, comme vous l'avez compris, dans les années 80. On va jouer exactement le 22 mars 1985. Donc le kitsch est au rendez-vous, on n'a pas de portable, on a des radiocassettes, on a des baskets trop colorées, on a des cheveux gominés, on a des blousons en jean. Et donc, comme vous l'avez compris, nous avons ici une bande de lycéens qui part en classe nature découverte au bord d'un lac dans des petites cabanes avec leurs profs. Bon, ils vont dans un endroit quand même assez particulier, ils vont dans un endroit qui s'appelle le lac Ali. Donc le lac Ali, qu'est-ce que c'est ? C'est un lac assez curieux qui a une forme plutôt très originale. Je vais vous montrer ça, hop. Puisque en fait, il est tout rond. Il a une forme de cercle. C'est une particularité géologique qu'ils vont aller découvrir dans les monts Ozark pour un long week-end avec leurs profs. C'est quand même un peu bizarre, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'élèves inscrits. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de gens qui se sont débinés à la dernière minute. Finalement, le bus, il est rempli des 4 élèves que vous voyez là, et puis d'au moins autant d'autres, et puis de leurs profs, quoi. C'était long. Ils ont fait la route pendant aujourd'hui 7 heures pour arriver au lac Ali. Ils sont partis en fin de matinée. Ils sont arrivés en début de soirée. Ils sont venus de loin. Ils sont venus du Missouri. Ils sont originaires d'un petit patelin de 10 000 habitants qui ne paye pas de mine, qui s'appelle Branson. Et dans le bus, Walkman sur les oreilles. Alors que ça mange du pop-corn, ça raconte les derniers ragots. Eh ben, on passe l'étrange grille qui permet de garder les cabines et le lac à l'écart des étrangers et des visiteurs. Le professeur Smith galère un peu à ouvrir la serrure, mais bon. Il n'y a rien qu'une bonne pierre sur un cadenas ne peut pas régler. Je pense, Cindy, que t'es tellement au taquet dans la préparation de ce voyage que c'est toi qui a loué ce bus, ce minibus, quoi. C'est même moi qui l'ai conduit. Et c'est toi qui l'a conduit, absolument. C'est moi qui l'ai conduit. Je m'investis de tout mon cœur dans ce projet. Je donne de ma personne. J'en suis capable. Je le sais au fond de moi. Et vous venez de vous garer. C'était le début de soirée. Le jour commence à peine à tomber. Il y a quelques-uns de vos autres 4-5 camarades qui sortent aussi du bus. Qui d'un Jackie Bradley, qui d'une Queen March, qui d'une Ellie Stewart. Qui sortent devant vous, qui s'étirent. Ah, mais c'est quoi cet endroit, madame?
mais c'est pourri et qu'est-ce qu'on va faire là et oh là là mais les cabanes elles sont trop nazes mais oh là là mais c'est quoi mais et puis bon poussez-vous c'est hyper trop bien. Je pense que j'ai vu une carpe koi, enfin pas koi parce que c'est pas vraiment techniquement une carpe koi, mais il y a des poissons hyper rares et tout dans le lac. Ça va être hyper trop zizi. Tu sens déjà les énergies m'attendre là, ça fait vachement du bien le retour à la nature. Mais les poissons, c'est pas que dans la mer, c'est aussi dans les lacs. Des poissons de lac. C'est aussi dans tes chaussures des fois quand tu les enlèves. Ouais, ok. Autour de vous, sur le bord du lac, vous voyez donc 4-5 petites cabanes en bois sur pilotis avec des pontons. L'image cliché du week-end américain dans la montagne, au bord des eaux magnifiques. Il fait un peu frisquet, c'est encore le mois de mars, c'est une zone montagneuse. Bon, on ne peut pas, dire que ce soit luxe, c'est plutôt assez ancien. Hein. Et la pelouse est même pas franchement tondue autour des cabanes. Mais ça, c'est moi qui ai demandé. Ça, c'est moi qui ai demandé. C'est un petit détail. Je veux que ce soit vraiment nature. Je veux qu'on se retrouve dans une ambiance vraiment nature, vraiment roots. Moi, vous savez, avant, quand on partait en vacances, c'était vraiment dans des tentes. Parfois, on n'avait même pas de tente. On dormait dans les duvets, à même le sol, à la belle étoile. Donc là, je voulais qu'on retrouve vraiment cette ambiance vraiment à la dure. Quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut se connecter à la nature et vraiment se retrouver en face de soi-même, je pense. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc j'ai demandé à ce qu'on ne tourne pas la pelouse, surtout pas. Non. J'aurais fait pareil que vous, madame. Un point en plus, je note. Ah, il est trop... du coup, on peut choisir nos cabanes ? On a le droit ? Oui, alors par contre, il n'y en a que 2 sur 3 qui sont... Enfin, vous pouvez rentrer que sur 2 sur 3. Bah, la troisième, c'est pas... Vous pouvez pas y aller dans celle-là. Mais 2 sur 3, vous pouvez aller dedans. Allez-y, mettez vos affaires. Appelez-moi si vous avez besoin d'ouvrir une porte ou quelque chose. Je dois avoir une clé à molette quelque part. Enfin, appelez-moi. S'il y a un problème, appelez-moi. Pas de souci. Ouais, super. Moi, je prends la première. Ça veut rien dire, la première. Tout seul. Tu peux pas la prendre pour toi tout seul. Il faut que tu partages quand même, Kyle. Ah bah non, mais moi, tant qu'il n'y a pas ma sœur, c'est bon. Hein. Non, mais jamais je rentre là-dedans. Moi, je vais aller avec Kyle. Ah. Mais je peux en avoir une pour moi. C'est la cabane des cools. Ouais, ouais. Si c'est la cabane des cools, alors je viens avec vous, c'est ça? Avec plaisir, madame. Comment ça? Je serais bienvenue, évidemment. Moi, par contre, j'ai... Je vais pas pouvoir dormir comme ça sur les trucs. Il faudrait un petit peu. Il y a quelqu'un pour nettoyer avant. Non, mais on est en retour à la nature, Barbara. Non, mais la nature, ça veut pas dire la poussière en fait. Enfin... Mais regarde dans les poussières, peut-être que tu trouveras des cristaux pour ta collection. Ok, Barbara. Non, mais j'ai pas l'habitude de ramasser la terre par terre, quoi. Enfin... Bah ouais, techniquement, il y a pas de cristaux dans la poussière, madame. Mais c'est pas grave, c'était. Ça dépend de la poussière d'où. Dans la poussière de carrière, je suis sûr il y a des cristaux. Hein. Bruce. Attention. Les cristaux, c'est une image. Ouais. C'est juste du caillou, Bruce. Qui brille un peu, mais c'est du caillou. C'est des minéraux. Ouais. Cristaux de la vie, c'est ce que tu mets. Si vous y connaissez rien du tout en cristaux, c'est de façon juste des énergies pures retransmises à la nature, c'est tout. Et bah, tu trouveras peut-être plein d'énergie dans la poussière, Barbara. Voilà. Donc va chercher l'énergie dans la poussière. Voilà, je t'amène plein d'énergie dans ta chambre, si tu veux. Tu rentres pas dans ma chambre. C'était hyper bizarre. Ouais, moi-même, en le disant, j'ai senti que c'était un peu... Ouais. Non, mais je pense que numéro 1, ce sera pour Kyle, numéro 2 pour Barbara. On vous sépare tous les deux. Je pense que c'est une lunette. C'est une lunette, c'est rien. Il y a des mouchoirs dans le bus, si tu veux, Bruce. Oui. Non, mais je connais les symptômes, c'est parce qu'on est sur un nœud tellurique, c'est pour ça. Faudra se décaler un petit peu, je pense. D'accord. Ouais. Mets ton doigt dans ton nez, Bruce, tu saignes. Ah, pardon. Bon, du coup, on fait quoi sinon, en fait ? Mais là, on est là pour se ressourcer, on est là pour la nature, enfin, Barbara. Posez vos affaires déjà, allez chacun dans vos trucs là. Mais par terre. Hey, tu vas voir, tu n'es même pas encore rentrée dans le bâtiment, Barbara ? Non, ah, mais je vois bien dehors là. Vieux, là. Barbara, ne commence pas. Va avec Caitlin, va avec les autres, hein, ouais. Et on verra après. Et je prépare à manger, je prépare tout ce qu'il faut, d'accord. Posez-vous,
Et, lis les cartes de tarot pour tes petites copines. Non, la carte en main aussi, c'est n'importe quoi. Ah, je préfère la carte mentie, de toute façon, c'est un truc juste... Non, je veux même pas en parler. D'accord. Bon, eh ben, va... Montre ta collection de cristaux à tes copines, Barbara. Elle risquerait de les corrompre. Oh. Bah, va les regarder toute seule, alors. C'est très bien dit, Kyle, très bien. Un point en plus, Kyle. Merci, madame. Je prends mon sac et le sac de Kyle, et avec les pires difficultés du monde, je les traîne jusqu'à... La cabane des cools. Et moi, je la porte le sac de Madame Smith. Ouais. Qui n'est pas si lourd, donc je porte à une main sur l'épaule. L'air pas facile de Moi, j'imagine que j'ai beaucoup de sacs et que j'ai des copines qui aiment bien un peu traîner autour. Bah voilà, je les envoie un peu porter à ma place parce que je porte rien moi-même. En fait, je pense que t'as pas mal de succès. Du coup, tes deux copines, Queen March et Ellie Stewart, elles sont un peu genre... Non mais vas-y Barbara, t'inquiète, on va porter ta valise. T'inquiète, on va s'occuper, en vrai, ouais, c'est ça. Ah, t'es super Barbara. Barbara. Du coup, dans la cabine des cools, la cabine numéro 1, la cabine number 1, la cabine des premiers... Il y a Kyle et Bruce qui s'installent, probablement avec Jackie Bradley et Gail Hanson. En fait, automatiquement, vous êtes des ados des années 80, vous avez fait une cabane femme et une cabane garçon. Quoi, hein. On ne va pas être plus originaux que ça. Vous, de l'autre côté, Barbara et tes copines, vous vous installez dans la seconde. Et vous voyez tout de suite, quand vous poussez les portes, que les lits superposés, donc il y a juste un matelas. Vous savez, c'est ces matelas recouverts d'une sorte de housse en plastique pour pas qu'ils soient mouillés si les enfants fassent pipi au lit, quoi. Il n'y a pas vraiment de drap, donc il y a des couvertures un peu miteuses pliées aux pieds, c'est un peu tout. Vous voyez que c'est très poussiéreux, qu'il y a même des feuilles sur le sol, hein, des feuilles d'automne qui n'ont pas été ramassées, qui sont un peu rentrées à l'intérieur des cabanes. Et puis, si vous essayez un peu d'aller toucher à la douche ou à la flotte, vous voyez que ça vrombit, clac, 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 ça claque dans les tuyaux. Et au bout d'un moment, il y a bien de l'eau qui coule, mais elle est froide. Et je pense que Barbara a une sorte fait une sorte c'est de la meilleure Barbara à l'eau. Tu vois, quand tu commences à vouloir t'installer, qu'il y a a priori donc de l'eau, mais elle est froide. Ok. Madame Smith, on peut rentrer ? Oui, Barbara, vous pouvez rentrer, oui. Non, mais on peut rentrer à la maison. Ah non, vous pouvez pas rentrer à la maison, non, Barbara. Mais l'eau, elle est froide ! Oui, c'est un lac, c'est normal. L'eau est froide dans un lac, Barbara. Non, mais l'eau du robinet, elle est froide. Oui, bah c'est pas grave, on la fera chauffer à la bouilloire, l'eau du robinet. Moi, je fais pas ça. Hein. Toi, tu fais pas ça. Non, mais bon. Pour toi, Barbara. Ouais. Prêtresse Barbara des cristaux. Je peux le faire, moi, je peux le faire, je sais faire du feu, moi. Ah, ben voilà, Bruce, il sait faire du feu, c'est parfait. Vas-y, Bruce. Tu peux nous faire bouillir de l'eau, Bruce. Oui. Ben voilà. Alors, Barbara. Je vais faire brûler, mais. Oui, mais ça, c'est pas. Tu peux enlever un des scotch que t'as sur tes lunettes et le mettre sur ton doigt, ça fera sparadrap, ça fonctionne pareil. Mais c'est parce qu'autrement, ça tombe. Oui, mais il faut choisir entre un doigt brûlé et des lunettes cassées. Je préfère que tu ne vois rien, mais que t'aies plus mal au doigt, hein. C'est la survie, on est dans la nature, il faut... Allez les enfants, il faut... Allez, on se rebousse là, regardez, on est des gens capables, on arrive, l'eau est froide, on trouve un moyen, on demande à Bruce, voilà. Bien sûr. Il y a des feuilles par terre, pareil, on pourra demander à Bruce. C'est la solution de Kyle, ça, il y a un problème, il demande à Bruce. Ouais. Mais parce que Bruce, il assure. Ouais, ouais. S'il y a des compétences dans la nature, il faut les prendre. Bruce est un garçon extrêmement compétent. Exactement. Voilà. Fasse pas donc. Enfin, mais ouais. Ouais. Pour ça, en tout cas, ouais. Oui. C'est gênant, sinon, c'est un petit peu, non c'est... Du coup, vous voyez merci que pour les par contre, en effet, il y a de jolis petits coins. Ça paraît quand même. Je suis un peu dégoûtée. Des feux de bois, voilà. Il y a des petits ronds de pierre qui sont installés où on peut faire réchauffer des choses. Et puis également, il y a des sortes de petits barbecues en briques montés en dur directement. Où du coup, c'est assez facile d'allumer un feu pour faire réchauffer des choses. Voilà. Donc, vous installez tant bien que mal, et la soirée. Avance, vous commencez à vous installer, j'essaye. À trouver un peu vos marques. Commence à faire frisquet. Bruce, compétent,
c'est vrai qu'il est plutôt doué. En tout cas, il a des connaissances, même si il a sans doute parfois un peu de mal à les mettre en application. Mais il vous fait partir un petit feu. Et de manière assez naturelle, vous vous retrouvez. Je suis désolée pour son désalerte, je les ai désactivés. Alors que le soir tombe au bord du lac. Je suis vraiment désolée. Au coin du feu. C'est vraiment une ambiance agréable. Évidemment, vos camarades ont pensé à ramener des chamallows et ils sont en train de griller au bout de bout de bois. Vous discutez. Kyle, je pense que peut-être que tu as un petit moment pour toi pour chanter. J'ai un petit... Ouais, je gratte un peu. Petit truc. Ouais. Donc tu vois que ça, t'as du succès, tout le monde t'écoute, le silence se fait. Bah et puis oui, et puis là j'ai un bait en plus, hein, donc là j'attaque fort. J'attaque avec Heartbeats. Heartbeats Revolution. Elle est sur le dernier album, celle-là ou pas? Ouais, c'est la dernière chanson. Oh là là. Oh là là. Waouh. La... Alors, ça fait feel the rhythm, feel the beat, join the revolution, move your feet. Ouais, oh. Ça continue, mais c'est. Et des chiens. C'est incroyable. C'est tellement profond comme parole. Je pense que t'es vraiment sur la bonne voie. Mais merci, madame. Tu trouves ta voix. Moi, je pense que t'exprimes un petit peu qui tu es à travers ces paroles. Ouais, c'est move your feet, tout de suite dans le mouvement, t'es quelqu'un d'énergique, t'es quelqu'un vraiment qui tout le temps doit bouger, que ça soit dans ta vie personnelle, dans tes relations, t'es vraiment quelqu'un, moi c'est comme ça que je t'ai senti tout de suite. De toute façon, on le voit dans les cours avec la psychologie, tout ça, je le vois, t'es quelqu'un vraiment qui bouge, qui emmène les autres avec toi vers l'avant, tu es un meneur, tu nous emmènes vers l'avant. C'est vrai, madame, c'est vrai. C'est toi. Mm. C'est vrai, et vous savez, c'est... J'ai un petit peu pensé à vous en écrivant cette chanson. Ça me touche, Kyle. Ça me touche. Je dois dire que vous êtes, c'est vrai, une source d'inspiration assez importante pour moi. Ça ne m'étonne pas. Je suis assez inspirante comme femme. Je préfère quand même quand tu chantes que quand tu parles, Kyle. C'est gentil ce que tu dis, Barbara. Ça veut dire qu'il a une belle voix de ténor. C'est très gentil, Barbara. Tu vois, tu peux être gentil quand tu veux, Barbara. Est-ce que tu l'as lu dans les cristaux d'être gentil ce soir? Passe la caisse. Voilà. Et Christophe, ils m'ont annoncé votre mort. Ah, c'est pas très gentil comme Christophe, ça. C'était du quoi comme cristal que je n'en achète jamais? Cristal des ténèbres. Ah, donc quelque chose de plutôt sombre, quoi. De la labradorite, peut-être. Je n'achèterai pas de labradorite. Très bien. Je le note aussi, hein. Les bons points pour Kyle, la labradorite, c'est non. Très bien. C'est noté. La soirée avance et à moins que vous ayez des sujets particuliers que vous vouliez discuter les uns avec les autres, le temps file, il n'y a pas grand chose à faire. D'ailleurs, Cindy, tu sens que côté des élèves, il y a un peu de râle, hein, déjà. Ouais, mais du coup, madame, là, on va se coucher, c'est tout, mais il n'y a trop rien à faire, vas-y, c'est trop nul. Nous, on pensait qu'on allait un peu faire la fête ou des trucs, je ne sais pas. Vas-y, c'est quoi le programme pour ce soir? On fait rien, on fait même pas des jeux. Enfin, c'est un peu trop nul, quoi, quand même. Alors, j'ai prévu énormément de choses pour ce week-end, déjà. Déjà, demain, va falloir qu'on aille pêcher parce que ben, on n'aura pas de quoi manger sinon, ou chasser, ou cueillir des baies. Ou... on va se débrouiller. Non, ne vous inquiétez pas. Ah oui, que... c'est route. Ouais. Non mais ne vous inquiétez pas, puisque j'ai demandé à Bruce 2 semaines en avance de lire un manuel sur comment pêcher, comment chasser et comment cueillir des baies, je crois qu'il s'appelait comme ça le livre. Oui Bruce. C'est possible que dans l'empressement, je l'ai oublié à Brinson. T'as oublié le livre? Mais tu l'as lu Bruce, tu l'as lu le livre, je t'ai dit de le lire. Oui, avec les... Comment confectionner le... Tout ça, si. Oui, tu l'as lu. Chapitre 8, tout ça, oui. Mmh. Et bien voilà, vous voyez, demain, on va pêcher tous ensemble, on va poser des pièges, on va se débrouiller pour trouver de quoi manger, quoi, parce qu'on est dans la nature, quand même.
On est dans la nature. Donc déjà, ça, ce sera pour demain. Ce soir, après, déjà. Mais je pense qu'il faudrait qu'on apprenne un petit peu aussi à discuter, à voir dans quel contexte on est, apprendre à se connaître. Je pense qu'il y a plein de choses que vous montrez à l'école que peut-être ne sont pas vraiment vous. Peut-être qu'on a tous ce masque sur nous, ce masque qui cache nos propres émotions, qui on est vraiment, au final, au fond de nous-mêmes. Et je pense qu'il serait bien de tous prendre ce masque et de l'enlever et que nous soyons enfin nous-mêmes. Que nous soyons enfin qui nous devons être et que chacun, on engage cette petite discussion un à un et qu'on échange sur qui nous sommes vraiment et ce qu'on a au plus profond de nous. Je pense que c'est le plus intéressant. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse ce soir, qu'on apprenne à se connaître. Ok, bah vous faites ça et moi, je vais faire mon rituel de purification. Et très... Ok, d'accord, Barbara. Tu t'éloignes pas trop, par contre. Hein. Attention. Barbara. Bah, du coup, oui, je m'éloigne un petit peu. Je la laisse pas finir. Okay, bon, on va la laisser faire ce qu'elle veut. Moi, je voudrais pas être méchant, mais oui, ça risque de durer longtemps, son truc. Bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Écoutez, tant qu'on peut la garder du coin de l'œil, tout va bien. C'est pas plus grave. Parce que de toute façon, ça risque de durer longtemps. Mais par exemple, et si on commençait, regardez ça. Bruce Kyle, je sais que vous avez une bonne interaction à l'école, mais qu'en est-il de là ce soir? Comment vous vous sentez tous les deux? Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Peut-être des choses sur le cœur? Quelque chose à vous dire? Avec qui? Tous les deux. Tous les deux qui? Bon, Bruce et Kyle, là, tous les deux. Ah, moi, je trouve que Kyle, il est sympa. Il est cool avec moi. Ouais. C'est pas pour rien qu'on est dans la cabane des cools, d'ailleurs, je trouve. C'est vrai. Oui, souvent, je lui donne des coups de main, comme ça, ça le libère pour son inspiration de faire du rock. Et lui aussi, il te donne des coups de main? Oui, ça, c'est lui, ça. Là. Ah, ouais, voilà. C'est lui qui a réparé tes lunettes, c'est ça que tu veux dire? Non, ça, c'est moi. Non, ça, le coup de main. Le coup de main, c'était lui, parce que je... C'est une longue histoire. D'accord. Non, mais Bruce, je l'aide bien, Bruce. Ouais. Je l'ai aidé à choisir ses lunettes. Par exemple, c'est moi qui t'ai dit, tu peux mettre du scotch pour les réparer. Voilà, c'est un très bon conseil. Encore une fois, on mettra de la ouate hémophile et du scotch. Voilà, exactement. C'est bien. Donc, c'est bien. Comme ça, c'est pour tes saignements. Mais comme je t'ai dit, tu vois, il avait déjà prévu que peut-être, avec ta propension à saigner du nez, tu pourrais avoir besoin de ce scotch dans la nature, peut-être pour le mettre dans ton nez et ne plus saigner du nez. Effectivement, c'est si bien pensé de la part de Kyle. C'est si bien pensé. C'est beau. Bah, plus un point, je suppose. Non, deux. Ça vaut deux points, ça. Ah. Ça vaut deux. Elle distribue plus de points que Dumbledore à Gryffondor. C'est parce que je suis très objective, ça. Deux points pour Montgomery. Ah, on t'entend mal. Un petit moment où... Ah, bah tiens, vous levez un petit peu les yeux vers le ciel noir maintenant, dans la lueur un peu douce du feu qui est autour de vous, et vous voyez une petite pluie d'étoiles filantes, 3-4, qui s'annonce, qui traverse le ciel. La purification a fonctionné, c'est pour ça. Qui se reflète vraiment sur la surface noire du lac, qui est vraiment une eau tout à fait huileuse, qui ne bouge quasiment pas, il n'y a pas de vent. C'est comme si vous l'aviez vu en double, du coup, une fois sur l'eau, une fois dans le ciel. Et tout autour de vous, le peu de petites lampes qu'il y avait sur les cabanes, sur les pontons, etc., grésillent. Et s'arrête. Mais quelle heure il est? Ah non, mais il se passe quoi, madame? Non, mais là, c'est pas... Alors déjà, il n'y a pas d'eau chaude, mais en plus, il n'y a même pas d'électricité. Mais c'est quoi ce coin, quoi? Non, mais franchement... C'est normal, c'est pour économiser l'énergie, d'accord? Au bout d'un certain temps, l'électricité se coupe, c'est normal. C'est aussi peut-être le moment de rentrer à l'intérieur, puisqu'il commence à faire un petit peu frais. Et voilà quoi, il est peut-être temps aussi de rentrer un peu à l'intérieur et de prendre nos affaires un peu vite. Et puis on va rentrer à l'intérieur et puis on va fermer la porte et comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est normal, c'est pour économiser l'énergie, on est dans la nature. Après tout, il ne faudrait pas dérégler le cycle des cerfs et des papillons de nuit et des trucs comme ça.
Ouais, d'accord. Enfin, franchement, quand nos parents ils vont savoir tout ça, je suis désolée, mais vous allez avoir trop des problèmes, quoi. Mais vos parents... Moi, je pense vraiment qu'on est sur un hôtellurique, ça peut être super dangereux de rester là, en fait. Mais ça va, c'est juste les lampes qui sont éteintes. Oui, cool, les gars. Bien. Bruce, est-ce que t'as vu une fourmilière dans le coin? Bruce, est-ce que t'as vu une fourmilière? Une quoi? Non. Une fourmilière. Une fourmilière. Non, je... Non, non. Moi, c'est mauvais signe. Je fouille dans mon sac. Je fouille dans mes affaires, je retourne tout. Et je sors, en fait, j'ai placé dans le fond de ma valise un petit télescope, qui est un truc très, très léger, hein, un truc pas trop cher et tout, mais je le déplie. Poussez-vous, les nazes ! Et je vais genre sur un ponton ou un endroit un peu à proximité, et je place un petit peu tout ça. C'est sûr, c'est malin, c'est sûr, j'avais oublié, hein. Y a personne qui me dit rien en plus, c'est n'importe quoi, avec ces trucs telluriques là. Ok. Et je commence à placer ce truc-là et j'essaye. Apparemment, j'attendais grandement un espèce de truc qui se passe, quoi. Et j'essaye de le regarder avec mon télescope. Eh bien, on va en profiter pour expliquer très rapidement comment fonctionnent les règles de ce petit jeu. Pour que, du coup, tu puisses utiliser tes connaissances et en apprendre plus sur le phénomène cosmique qui vient de se passer dans le ciel au-dessus de vos têtes. Le jeu auquel nous jouons est donc le Dirty System, un jeu que j'ai conçu avec mon acolyte Lazare Barouk qui était dans mon chat tout à l'heure. C'est un système très simple, basé sur 9 capacités qu'ont nos personnages. Ils ont un score dans ces capacités qui peut être compris entre 1 et 7. Et lorsqu'ils veulent faire une action, eh bien moi je leur demande de atteindre un seuil de difficulté. Là, en l'occurrence, je vais demander un seuil moyen qui est de 6. Du coup, et ce sera dans la capacité connaître. Si Bruce Davis a 6 ou plus en capacité connaître, il a déjà réussi. Parfois, au cours du jeu, pour amener de la surprise, on va jeter un dé 6. Je vais vous en montrer un. Donc, un dé à 6 faces très classique, les mêmes que pour jouer au Yams. Et sur ce dé-là, eh bien, on va venir modifier ce score de base. Pas du score que vous voyez marqué dessus, puisqu'en fait, il va avoir une symbolique différente. Si on fait 1 ou 2, on a moins 1, à 1, on a moins 2, et à 2, on a moins 1. Si on fait un 3 ou un 4, on ne change pas son score, c'est tout pareil. Et si on fait 5, et ben on a plus 1. Et si on fait 6, alors c'est le plus fort qu'on puisse faire, là, on a plus 2. Donc voilà, donc là, je ne vais pas demander à Bruce de jeter un dé, il n'y a pas une tension particulière, parce que ce dé s'appelle un dé de tension, donc... Juste savoir, Bruce, est-ce que tu as au moins 6 en connaître ou pas? Je n'ai que 5. Alors du coup, il va avoir une possibilité pour augmenter son score à ce moment-là, Bruce. Soit il peut choisir tout seul de dire « Hey, mais je vais prendre un risque et je vais jeter ce dé pour voir si je peux modifier mon score. » Ou alors, il peut utiliser son profil. Le profil, c'est un petit peu ce qui définit spécialement son personnage. C'est dans sa fiche, donc ça, il le sait. Il peut utiliser aussi la narration, car c'est un jeu narratif où plus on fait du roleplay, plus on est récompensé. Donc s'il fait une très belle scène en nous expliquant ce qui se passe, ce qu'il voit dans le ciel et tout, et qu'il nous dit ça tout bien, de base, je vais accepter de lui donner un point supplémentaire. Du coup, Bruce, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer d'en savoir plus sur ces étoiles qui viennent de traverser le ciel ? Moi, je place tout ce que j'ai. J'ai des cartes du ciel. J'ai ramené tout un tas de petits outils. J'ai des compas, des machins. J'ai une boussole que je place par terre. Je re-règle tout. Je ne discute plus avec personne, quoi. Je m'enferme dans ma bulle pendant que je fais mon petit truc et je me place au bon endroit. J'ai été chercher une petite lampe à huile que j'ai posée à côté pour avoir un petit peu d'éclairage et tout. Je mets tout bien là. Je me prépare ma petite soirée astronomie. Ça va être la régalade. La petite barre de céréales là. Ça va être trop bien. Et tu es donc aux premières loges. Tout ton matériel te donne un bonus subséquent pour connaître un petit peu et voir ce qui se passe là-haut. Donc tu arrives à le déceler. C'est incroyable. Comme tu l'attendais, la constellation d'Orion et d'Aldébaran du Taureau vont se croiser d'une manière impossible cette nuit. C'est trop bien. Vous vous rendez pas compte, vous les cons, mais putain, on est trop hypés. Ah ouais. Et du coup, il ne dit pas. Il nous...
Vous le voyez comme ça, très excité au bord du lac, à sortir tout son matos comme un foufou et regarder ça avec un intérêt très très particulier. Okay. Mmh. Moi je vais en profiter pour aller dans le bus et je vais aller prendre quand même les 3-4 lampes torches que j'avais prévues pour au moins ramener ça dans les cabanes pour qu'il y ait un petit peu de lumière malgré l'extinction des feux un petit peu forcée. Et puis on va pas... Professeur Smith, lorsque tu montes dans ce bus et que tu attrapes une lampe torche et que par réflexe tu veux t'assurer qu'elle fonctionne bien, tu te rends compte que les batteries des lampes torches sont absolument à plat. Oui, et je me rends compte aussi que j'ai oublié de prendre des piles de rechange, bien sûr. Mais on a le feu de camp à l'extérieur qui brûle encore et qui nous ramène un petit peu de lumière. Absolument. Ouais. Moi, je me rapproche juste un peu de Kyle et ça me fait vachement peur que tout se soit éteint d'un coup. J'interprète ça comme un premier signe de quelque chose de potentiellement très négatif. Et j'essaye de sentir un peu, mais pour le moment, je regarde, j'attends de voir parce que j'ai l'impression qu'il va vraiment se passer quelque chose. J'ai un mauvais... I have a bad feeling about death. Death. Moi, je m'applique à montrer que tout va bien en continuant à gratter un peu ma guitare autour du feu. Mais je reste pas trop loin de toi. Parce que je t'aime pas, mais j'ai quand même un peu peur. Ah, c'est mon frère, quoi. Réflexe. Un de tes potes que tu connais vaguement, il est dans la même équipe de football que toi, Kyle, et c'est donc Jackie Bradley. Pendant que tu joues de la guitare, il glisse à l'oreille, mec, t'as quand même prévu au cas où, je sais pas, un truc pour se défendre, je sais pas, une lacrymo, un couteau, n'importe quoi pour le week-end ou pas, parce que l'autre, la prof, son deck, elle a l'air d'avoir à peu près rien prévu, c'est chaud, non? Bah écoute, j'ai un point américain dans mon sac à dos, mais c'est à peu près tout. Ok, ça marche. Bon, juste pour info... Je lui dis juste, mais il faut avoir un point à mettre dedans, quand même. J'ai un petit couteau suisse, donc si jamais il y a quoi que ce soit, ou que les filles, elles ont besoin d'un coup de main, enfin, tu vois quoi. T'hésites pas, tu me demandes aussi. Hein. Je te le dis, Jackie, on est ensemble là-dessus, ok. Ok. Yes. Et ça va, hein. Détends-toi, Jackie, hein. Ouais. Ouais, non mais... Cool. Jackie, il invective un peu Bruce. Hey, binoclard ! Trop bien, c'est hyper aligné en plus, vraiment. C'est... Oh, Davis ! Et là, en plus, on peut le voir. Il s'approche et du coup, il te met un petit taquet derrière la tête. Hey, Davis ! Hey, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe quoi ? C'est quoi, c'est quoi qui te met dans tous tes états, là ? Ça me paraît clair. Enfin, c'est quand même la constellation d'Orion et l'Aldébaran du Taureau qui, enfin, elles sont dans un alignement. Je peux pas t'expliquer ça mieux. Ça arrive genre jamais, quoi. Tu regardes dans le truc, tu vas le voir. C'est comme, ça fait comme si. Comment je peux t'expliquer dans des mots très simples. Le hachis et le parmentier. C'est comme si tu voyais deux trucs en même temps qui sont pas censés être sur le même alignement. Non, en fait, tu vas pas comprendre, mais c'est super cool. D'accord, mais du coup, c'est cool ou c'est pas cool, mec ? C'est hyper cool. C'est le hyper top cool. Du cool. C'est cool, bon, bah... cool. C'est hyper. Super. C'est hyper, ouais. Bah, je te laisse à ton cool, du coup. Merci. Davis. Ça va, c'est bon. Cool. Appelez-moi s'il y a besoin de... Je sais pas quoi, en fait. Du coup, il se retourne un peu vers tout le monde, le fameux Jackie Bradley. Et donc, en s'adressant à toi, Barbe, qui est dans la cabane numéro 2, hein, pas la cabane des cools, du coup. Bon, puis la cabane des losers, bonne nuit. Hein. Nous, c'est la cabane des filles, surtout, en vrai. Non, justement. Je vais me coucher, mais du coup, si vous avez besoin ou que vous avez peur d'une... D'une souris, vous appelez. Hein. Il s'en va avec son petit bombers en jean et puis ses cheveux gominés en arrière dans la cabane des cools. Et tu vois que tes deux copines, Queen et Ellie, elles font genre « Oh, il est trop bien, je l'adore. Mmh. » Ouais. Bah, je le connais un petit peu parce qu'il traîne avec mon frère de temps en temps. Je peux vous dire qu'il a un troisième téton.
Quoi? Attends, quoi? C'est la vérité, mais il faut le dire à tout le monde. Moi, je dis pas, c'est un pâte à mon frère, mais vous faites ce que vous voulez. Je vais trop le dire à tout le monde. Elle est extrêmement excitée, tu vois qu'elle m'en parlait toutes les deux. Bon, moi, je reviens du coup du bus avec mon absence de lampe torche et mon absence de pile de rechange. J'explique un petit peu que va falloir rentrer quand même un moment dans les... falloir rentrer dans les cabines, quoi, hein, que tout le monde range ses clics et ses claques, n'est-ce pas, Bruce? Que tout le monde range ses petits trucs et puis que voilà, quand on se retrouve. Et du coup, je vais aller voir Bruce pour aller voir ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il il rentre pas dans les petites cabines. Bruce, qu'il faut rentrer là, c'est l'heure maintenant, ça y est, il faut aller dormir. Madame, vous pouvez pas me laisser. Je j'en supplie. C'est quand même, c'est Orion et Aldébaran. Rose, tu les regarderas demain matin, tes étoiles, allez. Il n'y a plus, mais non, c'est ce soir, c'est là, c'est devant nous. De ce soir, c'est ce soir ou jamais. Non mais Bruce, peut-être c'est que dans une fois dans une vie. Mais qu'est-ce que ça va changer sur notre planète? Qu'est-ce que ça va changer sur toi? Mais je vais être le plus cool de tous mes copains du club d'astronomie. Parce que tous ces blaireaux, ils n'auront rien vu. Et moi, je suis pile au bon endroit, au bon alignement. On voit exactement tout bien. Le ciel est dégagé. Je ne peux pas être... Excusez-moi, mais je vais m'en vanter pendant 30 ans. Alors, me gâchez pas le plaisir, madame, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voulez. J'irai chercher du bois. Bruce, tu préfères voir tes constellations alignées ou tu préfères voir à travers les murs? Vous voulez dire... Elle est bourrée, la prof, je crois. Pouvoir. Là, tout de suite, réfléchis pas trop. Donne-moi l'instinct. Tu préfères voir tes constellations alignées ou voir à travers les murs? Bon, à travers les murs, ça présente quand même certains avantages, j'avoue. Vas-y. En même temps, la constellation, c'est hyper cool. Mais de toute façon, il n'est pas question de me faire voir à travers les murs. Réfléchis pas trop non plus. Donne-moi donc ton avis. Voir à travers les murs. J'ai gagné. Il était si méchant que ça avec toi, ton père, dans ton enfance? Hein? Non. T'es sûr que tu préfères voir à travers les murs? Vous me faites douter maintenant. Idéalement, je préférais pouvoir me faire rendre invisible. Ou éventuellement voler plus vite que le son. Voler plus vite. Ou éventuellement avoir des lasers qui sortent de mes yeux. Bruce, tu pars. C'était pas la question. Il fait nuit, Bruce. Il faut rentrer maintenant. Ou être un Bruce, tu as des démons. Tu as des démons. C'est trop tard, Bruce. Comment ça, des démons? Faut pas rigoler avec ça, hein, par contre. Des traumatismes, peut-être, dans ton enfance, Bruce. Un démon, c'est super traumatisant, je comprends. Non, il y a une fois, ils m'ont cogné très fort. J'ai un peu eu mal à la tête, mais c'était pas un traumatisme, ils avaient dit à l'école. Peut-être traumatisme crânien, là, peut-être. Peut-être, mais ils avaient dit que c'est pas ça. Ils avaient dit un hématome, mais ça va, c'est parti. Ouais. Mais s'il vous plaît, je sais pas quelle sorte de démon c'est ça. Encore une heure. Une heure? Ah non, une heure c'est pas possible. Une heure c'est pas possible. Bruce, il fait déjà nuit noire. Mais de toute façon, tous les nazes, ils vont pas dormir, je les connais. Chaque fois qu'on fait des trucs, ils se roulent des pelles, ils cassent les couilles. Mais c'est pas possible. Les coules, ils sont avec les coules et les nazes, ils sont avec les nazes là. Ouais, pour combien de temps, madame, vous êtes naïve? Voilà. Non, je cherche pas, je crois. Des clous sur les fenêtres. Je crois qu'elle est juste pour me date. On les connaît. Je crois rien que celle-là, là. Tu crois qu'elle a bu? Je suis sûre. Non, mais écoute, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Ça n'a aucun sens. Au bout d'un moment. Je te laisse. Ça faisait évident que ça avait des énergies. Allez, 20 minutes. 20 minutes grand max. Ça veut dire qu'il y a de l'alcool quelque part. D'accord. Ça veut dire qu'il y a de l'alcool quelque 20 part. 20 minutes. Okay. Ça veut dire qu'il y a peut-être moyen qu'on passe, que la soirée soit un peu moins merdique. Oui, promis. 20 avec un 2 et un 0. Viens, on va fouiller chez son bagalo. Ouais. Son truc. Ça dépend un petit peu. Vous savez, l'espace-temps, c'est relatif, tout ça. Selon comment. Le temps ne se déroule pas de la même manière selon comment on s'éloigne, comment on est. Oui, et là, avec les deux constellations, là, tout de suite, ça brusque l'espace-temps. Combien de temps ça pourrait durer? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que l'espace-temps, il pourrait être brouillé au point où tu rentres dans ta cabane? Est-ce que pendant qu'ils discutent, du coup, parce que on peut aller fouiller dans les affaires de la prof pour savoir si elle a de l'alcool? C'est une excellente idée. Avec Kyle. Est-ce que tu aurais emmené de l'alcool, Cindy, avec toi? Ça veut dire oui. Alors,
J'ai peut-être quelques bouteilles d'alcool et j'ai peut-être aussi une petite poche avec peut-être des antidépresseurs, des choses. Oui, elle, voilà. Elle a un kit de survie. Oui, voilà. Un kit okay. De survie. J'ai mon petit kit de survie à moi, quoi. J'ai emmené le nécessaire. Le nécessaire. Avec elle, on va fouiller, du coup. Et ben, pendant qu'elle discute avec Bruce. Vous allez vous mettre tranquillement en route donc pour fouiller. Kyle, il est très bon là-dedans, puisqu'en franchir, il a 6. Ouais. Ça veut dire qu'il est très, très, très balèze pour se déplacer, se faufiler, utiliser son corps, en fait, pour ne pas se faire voir. Donc, comme en plus, elle est en train de discuter, votre prof, et qu'elle elle remarque pas forcément ce que vous êtes en train de faire, vous allez doucement... un peu dans son dos pendant qu'elle est en train de parler à Bruce. Ouais, moi je fais le gay et Kyle va fouiller. Ouais. Alors sans problème, vous trouvez les bouteilles. Bon. Vodka et bourbon du Kentucky. Par contre, il y a des plaquettes avec des médicaments, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Ce qui serait drôle, c'est que vous essayez d'en savoir plus, en fait, que vous essayez de savoir ce que c'est. Mais du coup... c'est pas hyper votre domaine, ce serait de la connaissance, et j'aimerais bien 6 en connaissance. Celle qui a le plus de chances de le tenter entre vous deux, c'est Barbara, qui a 5, mais il va lui manquer un point, donc elle a la possibilité de jeter un dé pour céder, peut-être qu'elle ne réussira pas, et donc vous serez en possession d'un truc que vous aurez très envie de consommer sans savoir ce que c'est, ce qui serait drôle aussi. Oui. Ah ça, moi, je veux bien essayer de savoir ce que c'est, ces cachets. Ouais. Je veux bien. Alors, tu peux lancer un dé 6, et pour obtenir un point supplémentaire, il faut faire au moins 5. Donc, si tu fais 5 ou 6, eh bien, tu sauras exactement ce que c'est. Okay. Et sinon, tu vas te tromper. C'est-à-dire que tu penseras savoir ce que c'est, tu vas absolument te tromper. Ok, ça marche. Allez, eh bien, je lance mon dé. 4. C'est donc pour toi. Voilà. Ma sœur dans ça doit absolument être vu comme elle est un peu défoncée depuis tout à l'heure. T'as bien remarqué qu'elle était un peu défoncée la prof tout à l'heure. Toi, tu penses que c'est un peu une hippie quelque part et qu'elle ose pas le dire. Donc sûrement c'est des extas ou un truc comme ça et ça va être super cool. Ouais, ok, ça marche. Du coup, je dis à quelqu'un, non mais ça je connais, ça je crois, j'ai une pote, elle a ça, tu passes des super soirées avec. C'est vrai ? Franchement, je pense qu'on devrait aller avec tes potes, on devrait aller voir ça. Eh ben... Puis ça se mélange super bien avec l'alcool. Eh ben moi je te propose qu'une fois que tout le monde dort, on se retrouve. Ok, ça marche. On se retrouve derrière votre cabane à vous, et on se fait ça. Et du coup... Toi, tu prends peut-être l'alcool et moi, je prends les cachets, un truc comme ça, j'imagine. On se répartit, ouais. Parce que toi, t'es plus fort, donc voilà. Ouais. Moi, je camoufle les bouteilles. Dring, dring, dring. Du coup, en termes de règles, il y aura des sympathiques. Ah oui, non, j'ai rien dit. On entendait mal, mais ça. À la consommation de ça tout à l'heure. Oui. Pour des raisons d'ellipse nécessaires à l'avancée du scénario, oui. Il y a un moment donné où quand même, Bruce, tu, même si tu es très très passionné des étoiles et que le relou avec Cindy, et c'est quand même ta prof, à un moment donné, elle fera un petit peu objet d'autorité à ton endroit et te mènera vers la cabane des cools avant de se retirer dans la sienne. Et la nuit va pouvoir se poursuivre, même si peut-être tu vas essayer de rester éveillé jusqu'au dernier moment, les yeux rivés derrière la fenêtre. Vous restez des ados, je pense que vers 1h du mat, les gens commencent vraiment à piquer du nez, sauf peut-être Kyle, Barbara qui ont un projet, qui vont essayer de se réveiller. Je ne sais pas s'ils vont réveiller d'autres gens, d'ailleurs, ou s'ils vont y aller que tous les deux. Mais bon, une fête entre frères et sœurs, je ne sais pas si ça les intéresse de trop. Moi, je sais pas. Jackie, moi. Ouais, moi, j'amène mes deux copines. Avec lesquelles, voilà, mes deux... Il y a Ellie aussi. Ellie, j'aime bien Ellie, moi.
Ouais, d'accord, ça marche. Il y a Ellie, ouais, il y a Ellie qui est là. Ellie, Quinn, Jackie et Gail, hein, ce sont vos camarades qui sont là. Et bon, bah, Bruce, je pense que tu seras réveillé par les petits frottements et les petits chuchotements. Je pense qu'ils vont essayer de ne pas t'inviter. Ils vont absolument pas l'inviter. Complètement, franchement, on ne l'a complètement pas invité. C'est ça qui est terrible. On ne l'a pas envisagé du tout, en vrai. C'est ça. Ah, non, mais ça rien d'or. Ok, ok. Eh bien, c'est là qu'on va reprendre, en fait. Vous essayez, là, tant bien que mal, de vous extraire, Kyle et Jackie, de votre cabane des cools pour aller rejoindre les filles derrière la leur. Puis vous faites un peu de bruit, et puis, bah, y a Bruce qui se réveille, quoi. Hé, hey, chut ! On avait dit, on dormait. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait. Ah. Toi aussi. Faut parler en dormant. Ouais, mais c'est, on s'y fait, t'inquiète pas. Ça m'arrive aussi. Toi aussi, ah, c'est bien. Une fois, quand j'avais 7 ans, ouais, j'étais... Oui, mais Bruce, je parle en dormant, mais en chuchotant. D'accord ? Une fois, quand j'avais 7 ans... Voilà, et ferme les yeux. Ouais, j'avais 7 ans... Ouais, vous êtes toujours là. Ok. Non. Alors du coup, tu te rends compte que tu parles tout seul, Davis, quand tu rouvres les yeux, tes camarades sont pas là et t'es tout seul dans ta cabane. Ah. Un cascade nocturne. Je suis trop fort en plus. Je prends ça pour une invitation à cache-cache. Très bien. Ah, d'accord. Donc, je me mets à aller chercher... comme je peux. De ton côté, Kyle, t'arrives avec Jackie du côté des filles et donc tu trouves tout le monde est là, Quinn, Ellie et Gail, hein, et ta sœur. Ouais, trop bien, super. On s'est mis un peu plus loin là, sur le ponton pour pas faire trop de bruit. Ouais, sinon on va réveiller la prof là. Mais bon, avec tout ce qu'elle sous emmené, je pense que ça va, ça devrait pas risquer. Oh, j'ai des bouteilles, t'as pris les machins là. J'ai pris les cachets, on va s'éclater. Ouais. Trop bien. Prends pas ta guitare, s'il te plaît, par contre. Ouais, non. Évidemment. Sinon, ça va réveiller Madame Smith. Ouais, voilà, exact. Et on y va doucement, mais ouais. On n'est pas très doués. Enfin, voilà. on n'essaye pas beaucoup non plus d'être ultra discret. On essaye de l'être un minimum, mais voilà. On est quand même à un groupe d'ados, quoi. Il y a l'excitation aussi. Il y a l'excitation et c'est un peu marrant. Il y a des gens parmi vous qui sont assez doué là-dedans, mais c'est pas le cas de tout le monde. Du coup, je veux bien que votre professeur fasse un test pour le coup de percevoir. Tu as 3 en percevoir, Cindy Smith. J'aimerais bien, c'est assez complexe, mais j'aimerais bien un minimum de 5. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses un 6 sur un des 6. Okay. Ou alors que la narration et la scène soient particulièrement grandiloquentes pour t'octroyer un point supplémentaire. Dans ce cas, tu pourrais faire 5 ou 6 sur un des 6. Alors là, je crois que je peux rien dire en termes d'éloquence ou de quoi que ce soit. J'ai de l'alcool et des médicaments dans le pif. Là, ça va être compliqué pour me réveiller. Déjà, si quelqu'un venait me mettre une porte dans le nez, je pense que je ne me réveillerai pas trop. Donc là, je pense que si je ne fais pas un 6, allez, je ne me réveillerai pas des masses. Hein. Je lance. On va voir si la chance est avec toi, si tu entends tes élèves te faire ce coup-là ou pas. C'est un 6. Ouh. Ah. C'est un 6. La chance est avec toi. Donc pour l'instant, oui, bon, incroyable. T'as entendu vaguement des petites choses à l'extérieur. Vous vous installez au bout du ponton. En arrivant au bout du ponton, hein, c'est comme le nez au milieu de la figure. Vous voyez que dans le ciel, à présent, il y a 3 étoiles qui sont très brillantes, beaucoup plus grosses et plus brillantes que celles qu'on voit d'habitude dans un ciel de Mars. Même si vous ne connaissez pas le ciel de Mars, partez du principe que dans le ciel, pour vous, il n'y en a pas d'aussi brillante d'habitude. Et entre ces 3 points, du coup, il y a comme une sorte de voile un peu lacté et vaporeux. Il y a vraiment comme si on voyait presque tourner une galaxie. C'est vraiment très joli et très perturbant. Le reflet de ça est exactement sur l'eau du lac aussi. Et franchement, c'est un spectacle assez saisissant. Même si ça ne vous intéresse pas, même si vous moquiez Bruce tout à l'heure, il peut y avoir
une partie de vous qui se dit que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Moi, je pense que c'est parce que je suis un peu une élue et que c'est un moment cosmique qui est en train de tourner vers mon ascension, en fait. Je suis en mode, mais oui, je devais pas... C'est logique, en fait. C'est moi. C'est pour ça que les étoiles sont là. C'est pour moi. C'est pour me parler, tu vois. Qui font l'effet, mais c'est cool. Donc moi, juste, j'explique des conneries à Ellie, à mes autres potes, en disant que c'est ça, en fait. Ellie, elle te demande, attends, mais comment tu veux dire c'est pour toi? Mais moi, je veux en savoir plus, Barbe. Ben, c'est parce que je dois avoir ma personnalité en tant que sorcière bientôt. Et du coup, là, je pense que c'est mon ascension qui est un petit peu, effectivement, un peu plus... théâtral que d'habitude. Normalement, c'est des révélations beaucoup plus discrètes, quoi. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est un peu logique que ce soit quelque chose de beaucoup plus voyant. Et je sens que dès ce soir, je vais avoir des révélations quand je vais aller dormir. Mais ça, c'est je t'ai dit, il faut que tu fasses le rituel tous les jours et au bout d'un moment, ça viendra. Si tu es digne. Moi, je l'ai fait tous les jours, mais j'ai fait comme t'as dit et j'ai mis toutes mes pierres sous la lumière de la lune aussi. Mais franchement, peut-être du coup, c'est pas que pour toi, c'est peut-être pour moi aussi, non? Non. je cherche pas à dire plus. C'est juste... Ah, non. Se taquer. Non. Vraiment pas. Non. Ok. Non. Du coup, toi, Bruce, tu cherches, du coup. Tu sais pas trop où ils sont, t'es en mode cache-cache, quoi. Ça fait 3 fois que je fais le tour de la cabane. Je commence à me dire que peut-être ils y sont pas. Dehors. Puisqu'ils sont pas assez doués en cache-cache, je vais peut-être aller dehors, mais on a dit que normalement, on devait rester dedans. Mais bon, t'es un peu cool maintenant. Et comme il y a un bruit... tes camarades sont en train d'un peu faire la fête quelque part. On sait pas encore où ils sont. Vous avez pris des petits coups de bouteille. Je pense que Kyle vous met l'ambiance avec sa petite musique, tout ça. Peut-être qu'il chante sans guitare, histoire de pas trop faire de bruit. Bruce, il y a un craquement sinistre derrière toi dans les bois autour du lac pendant que tu es en train de errer autour des cabanes pour essayer de trouver tes camarades. Comme si... Des pieds un peu lourds marchaient sur des branches derrière toi. C'est bon. Je vous entends. Vous êtes trop grillés. Ça marche dans une autre direction. Non, mais j'ai dit que vous entendez, c'est pas la peine. Je me dirige vers le son. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit de pas, presque comme si ça pouvait être tes camarades, c'est ce que tu dirais. Hé, je vous ai trouvé, c'est pas la peine de faire semblant que je vous ai pas trouvé, ok? On va se faire repérer par Madame Smith. Tu as combien en percevoir, Bruce Davis? Bruce Davis en percevoir... j'ai 4 en percevoir. C'est tout juste suffisant pour entendre chuchoter des mots que tu ne comprends pas. Ya, ya, nasht und kamantara ales. Et d'autres pas dans la forêt. Et ce n'est pas du Klingon. J'étais sûr. C'est pas du Klingon, c'est pas du Vulcain, c'est même pas du Sindarin, c'est aucun langage elfique. Au moment où tu te dis ça, il y a vraiment quelque chose qui te saisit. Un visage qui se décale d'un côté du tronc de l'arbre qui est juste en face de toi. Mais ce visage ne comporte pas de face. C'est un masque pâle, intégral, sur un visage qui n'existe pas. Une chose qui porte une toge et qui semble se diriger vers toi dans des mouvements graciles, étranges, et comme si ça se soulevait du sol sans vraiment avoir besoin de marcher. Les bruits que tu entends, ce sont les bruits de la cape en tissu qui s'accroche dans les branches et les buissons
de la forêt. Comment est-ce que tu réagis, Bruce Davis? Cette chose vient vers toi à une vitesse inquiétante. Si c'est vous, c'est pas marrant. Je recule en même temps hein, que je dis tout ça. Du coup, tu parles assez fort. Oui. Je vraiment. Cindy Smith. Plus du tout. Tu commences un peu à avoir déjà entendu les bouteilles s'entrechoquer de tes élèves. Enfin, en tout cas, tu as entendu du bruit dehors et tu penses avoir capté que ça rigolait un peu, peut-être. Ouais. Et puis là, peut-être que tu entends la voix de Bruce qui dit c'est ça, ce qu'il vient de dire, en fait, mm-hmm. aux alentours de la cabane où vous vous trouvez. Mm. Eh ben, alors. Je me réveille, je me lève, j'enfile vite fait ce que j'ai à côté de moi, des petits chaussons, des petits machins, et puis je pars parce que bah, là je me rends vite compte que la cabane est vide. Donc je sors par la porte de derrière, donc là d'où j'entends venir les bruits. Je commence à marcher et je dis Bruce, c'est toi que j'entends ? Il y a quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Madame Smith, il y a des gens, je les connais pas, c'est pas les copains, ils sont pas cool. C'est pas les copains, ils ont un uniforme, ils ont quelque chose. Ils ont l'air d'être des profanateurs zombies venus de la galaxie d'Orion, je sais pas ce que c'est. Continue à avancer vers le bruit. La ref que Cindy doit vachement avoir en plus. C'est en mode... Mais comment ça des profanateurs comment ça zombies, des profanateurs zombies zombies des profanateurs zombies, je sais pas vous dire mieux, ça profane ces zombies. La chose continue d'avancer rapidement vers toi, Bruce, et elle sera au contact si tu te mets pas à courir ou fuir ou tu détales. Non, je détale vers la voix de Madame Smith. Bien. Si je me souviens bien, il me semble que Bruce Davis a l'habitude d'avoir à échapper à ses camarades peu sympathiques à l'école. Donc, il a un score important. Donc, tu arrives tu commences à détaler dans la forêt. Tu tombes sur ta prof. Du coup, il tombe sur toi, quoi. Genre vraiment, tu vois ton élève arriver en courant vers toi comme un dératé. Moi, j'ai ma pantoufle dans la main pour me défendre au cas où. J'ai un pied par terre tout nu et un pied en pantoufle. Ce sera pas suffisant. Écoute, c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant. Je te propose qu'on... Mais où sont tes camarades ? Mais je sais et pas, ils ont fait un... De l'autre côté, sur le ponton, alors que ça rigole, ça picole. Bravo. Ça picole et ça rigole. Bravo l'adolescence. Bravo la jeunesse. Joli. J'ai une putain de sorcière. Barbara, tu sais pas si c'est l'alcool, tu sais pas si c'est les médicaments de la prof. En fait, c'est des anxiolytiques, donc là, t'es en train de waouh. J'en ai distribué à tout le monde, mais je sais pas s'ils en ont pris. C'est ça, je voulais. Le mélange, tu sens qu'il devient violent. Peut-être que toi-même, tu te dis que tu vas arrêter. Je sais pas où on est, en tout cas. Mais en regardant ce reflet dans le lac, en regardant ce qui est au-dessus de toi dans le ciel, il y a quand même une chose qui te perturbe, c'est que ces couleurs changent depuis tout à l'heure au gré de la soirée qui avance, et plus elles changent, plus elles deviennent ocre et orangé et jaune, et plus ces couleurs te rappellent des choses que tu as déjà vues récemment. Et vous avez à peine le temps, en fait, de profiter de cette fête que Jackie, qui est déjà bien attaquée, qui est plus en arrière que vous sur le ponton, donc côté forêt, alors que vous êtes plutôt côté lac de l'autre côté du ponton. Il y a une chose masquée, un masque pâle qui n'a pas de trait en fait, qui sort derrière lui d'un buisson, qui l'attrape par les cheveux et qui lui égorge la gorge devant vous et... Je l'ai vu ou je suis happée par le... Vous avez vu ça ? Et vous me dire ce que vous faites, parce que ce truc est juste en train d'arriver vers vous alors qu'il vient de jeter Jackie dans l'eau. Ouf. Je hurle et je cours vers Kyle. Ouais. En hurlant, et je dis faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on s'en aille. Je prends la main de ma sœur et je trace le plus possible vers la cabane de Madame Smith. Ouais, juste instinct de survie. Ça implique un saut parce que du coup, tu descends du ponton pour esquiver la chose. Toi, t'aurais réussi à faire ça d'un bond. Traîner ta sœur est un peu plus complexe du coup. Ouais. Tu redescends. Et voilà, exactement.
Du coup, je vais te demander de jeter un dé de tension. Donc, tu as a priori déjà 6 en ce qui est de franchir. Attends, je vais me le reprendre pour être sûr. Voilà. Tu redescends à 5 avec le malus que t'impose le fait de prendre ta sœur et de courir et de sauter ouais. dans le côté du lac pour la traîner. Tu as deux choix. Soit tu utilises la narration pour nous décrire une action absolument épique et extraordinaire qui fasse que du coup tu regagnes ce point à la bouche. Ou ouais. tu t'en remets au destin et tu essayes de faire 5 ou 6 sur un des 6. Ouais, je tente la narration. Excellent. Je tente la narration. Donc on est d'accord qu'il faut que... Face à moi, il y a un ponton en ligne droite. Ouais. Hein. Ouais. Il est entre c'est nous, ça. C'est ça ouais, il est entre nous. Tu peux te servir aussi d'un décor que tu inventes. D'accord. Vous êtes absolument libre. Finalement, il y a une barque. Finalement, il y a... Enfin, moi, j'ai toujours ma bouteille d'alcool à la main. Voilà. Je l'ai gardée. Bien. Voilà. je marque un tout petit ralenti. Je freine un tout petit peu le temps de prendre ma sœur par la taille et de la mettre sur mon épaule. Sur mon épaule droite, comme ça. Le héros. Et j'essaye de courir en me rapprochant le assez proche de la forme, mais quand il reste un mètre ou deux, je saute du ponton sur le côté parce que je sais que j'ai pied. Ouais. Donc, en atterrissant, j'amortis la chute de ma sœur et je la pousse vers l'extérieur pour lui redonner un petit peu d'élan. Je récupère entre-temps la bouteille qu'elle avait dans la main. Je me relève et je balance la bouteille à la tronche de la forme. Excellent. C'est une excellente idée. Tu peux même essayer de proprement, carrément, faire des dégâts d'un point de vue mécanique. Et pour ça, tu peux, alors là, pour le coup, me jeter un dé de tension. Et on va regarder à quel score d'affronter cela te porte, sachant que tu as déjà un très beau 6 en affronté. Ouais. Tout à fait. Après, il y a peut-être un malus alcool aussi. Hein. Il y a peut-être un malus vision double. C'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la consommation. J'avais l'impression que Barbara avait plus bu que son frère, mais c'était mon interprétation personnelle. Oh, c'est possible. En tout cas, que je tiens moins. Je tiens mieux. Voilà, c'est ça. C'est plus. Je pense que ce serait plus ça. Donc, je lance un dé de 6 et ça nous fait... Ça nous fait 1. Ah. D'accord, donc du coup, ça fait que tu as moins 2, tu passes à 4. Donc en fait, tu arrives à sauver ta sœur et toi, et vous arrivez à franchir cet obstacle, mais au prix d'une conséquence négative. Dans ce système, les conséquences négatives sont gérées par la meneuse de jeu. Ce soir, moi, je vais donc imposer, du coup, une petite répercussion désagréable au personnage qui vient d'échouer son défi. Quand ils font des défis et que les dés leur permettent de réussir, on peut leur laisser la narration pour qu'ils s'octroient des avantages ou des bonus supplémentaires ou même qu'ils fassent bouger le récit dans une direction qui les arrange. En l'occurrence, ce qui va se passer très simplement, c'est que jusqu'à ce que tu sois soigné, tu vas prendre un niveau de blessure légère. Ça veut dire que tu auras moins 1 sur tous tes prochains défis jusqu'à ce que tu finisses cette scène intense qui est en train de se produire. Et tu te fais mal à la cheville. Tu sais, tu te retournes et tu as le syndrome rugbyman. Tu fais la passe à l'arrière, en fait. Du coup, ta cheville est à tout le poids sur elle et crac, tu sens que ça se tord au moment où tu fais ça. Donc, vous courez. Comme des dératés en direction des cabanes. De l'autre côté, Bruce et Cindy sont à peu près en train de faire la même chose, mais du coup, dans l'autre direction. Et ce qui fait que vous êtes un peu en mode presque à vous collisionner au milieu du camp de cabane et que vous vous percutez sans savoir ce qui se passe avec ces choses qui, a priori, courent ou en tout cas font du bruit dans les fourrés autour de vous et maintenant vous en êtes sûr. Trouvez. Il faut qu'on parte. Il faut pas aller par là-bas en tout cas. On a vu quelqu'un se faire tuer. On a vu des gens derrière, donc je propose, on se met tous à l'abri, on fait un débrief. Où est-ce qu'ils sont les autres? Où ils sont? Non, on fait pas un débrief, on s'en va, le bus, tout ça. Vous entendez des cris de jeunes filles laissées en arrière. Hein. Il y avait Ellie et du coup Queen. Gail, vous savez pas trop où elle était, mais Queen et Ellie, vous les aviez laissées comme vous sur le ponton et elles couraient derrière vous potentiellement. Vous vous retournez, elles sont plus là et vous entendez. Ah c'est pas bon signe. Faut qu'on s'en aille, faut qu'on s'en
aille. Elles vont faire les appâts. Faut qu'on s'en aille. Ok, on va à l'intérieur et on réfléchit à un scénario. On réfléchit à ce qu'on met en commun nos informations. J'ai bien réfléchi. On peut réfléchir à l'intérieur. Ce ne sont pas des profanateurs zombies. Ce sont clairement des profanateurs de galaxies. D'accord, on va à l'intérieur. Le bus, il est où, le bus? On rentre dans le cabane et puis je referme la porte derrière. Et je commence un peu à demander, genre, bon, Bruce, je sais ce qui s'est passé de ton côté. Qu'est-ce qui s'est passé, Barb et Kyle? Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont, Jackie, Queen, tout ça? Ils sont où? Jackie est morte, madame. Jackie est morte. Comment ça, Jackie est morte? Jackie s'est fait trancher la gorge. Mais par qui? Mais par quoi? Mais par cette chose, par ce truc. Profanateur de galaxie. Un démon. Voilà. Mais vous l'avez vu, vous? Il s'est fait trancher la gorge! Il y a un fou qui est là. Écoutez, qu'on s'en aille, madame. Non, j'ai une solution. J'ai des bouteilles d'alcool. Me demandez pas pourquoi. On peut les enflammer avec du linge et en faire des... J'en ai plein d'alcool. J'en ai vraiment plein. J'en ai beaucoup. Voilà, mais c'est peut-être pas le moment de parler de ça. On a besoin de cet alcool, sinon comment est-ce qu'on fait des... Il faut partir, madame. Il faut partir. Mais on peut pas partir. On peut pas. On a un week-end à faire. On a un week-end. Il revient quand, le bus? Madame. Oh. Oui. Quoi? On va pas le faire, le week-end. On va pas le faire. Non. Mais pourquoi on veut pas le faire? Mais j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. Ça se trouve, c'est Queen qui vous fait un tour. Jackie, il est vraiment pas assez bon pour faire des blagues comme ça, hein? Non. Il y avait vraiment beaucoup de sang, hein. Peut-être que c'est son fort intérieur. Peut-être qu'il est blagueur. Peut-être que ce... Il n'est plus bourré que nous. À l'heure qu'il est son fort intérieur, il est à l'extérieur. Ouais. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on parte. Mais je sais pas où sont les clés. Il fait noir et je il faut trouver un endroit où partir. Ou alors vous avez pas, je sais pas, une carte de la zone. J'en sais rien. Un endroit où il faut vraiment qu'on s'en aille. On est dans un cabanon de merde là. Mais le cabanon, il est sécurisé. On a des portes, on a des fenêtres, on a tout ce qu'il faut. Il est super sécurisé. On peut faire des torches. Regardez. Je crois que le feu est éteint. Il suffit d'éclairer des draps. Qu'est-ce qu'il faut avec son feu d'artifice, lui, là? Il faut déchirer des draps, Kyle. Déchire des draps. Ils sont en plastique, les draps, Bruce. Ah, merde. Il faut déchirer des t-shirts. Non, Bruce, garde ton bras. Bruce, pour le bonheur de tout le monde, garde ton t-shirt. Je t'en supplie. Alors, pour le bonheur de tout le monde, je peux enlever le mien, si vous voulez. On est dans quel cabanon? Moi, je veux fouiller des trucs. Ouais, on pourrait peut-être enlever le t-shirt. Je suis OK. Allez. J'enlève mon t-shirt. Allez, on il faut déchirer, faire des lambeaux de tissu. Ouais. Je prends une chaise. Il y a une chaise en bois ou un truc comme ça dans un truc. Oui, et absolument. Avec ça, on va faire des torches. Il faut juste séparer les pieds de la... Juste pour savoir, on est dans quel cabanon? On est dans le leur ou le mien? Vous êtes dans le... Non, vous êtes dans la cabane du cool. Ah, merde, c'est pas mes affaires alors. Parce que j'ai... T'as des cristaux? Non, j'ai de l'encens, de quoi faire de l'encens et tout. C'est le genre de choses où on peut tirer ça au dé. Père, vous êtes dans la cabane 1. Un père, vous êtes dans la cabane 1 et père, vous êtes dans la cabane 2. Voilà. Ça pourrait être logique vu qu'ils étaient de base avec Bruce, donc ça pourrait être. Ouais. Ça me paraît logique qu'on soit plus allé là par réflexe. Ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi. Ouais. Bruce, cherche dans le sac de Jackie. Il a bien dit qu'il avait un couteau suisse. Récupère-le. D'accord. Ok. Ok. Je réfléchis. Donc, il y a des êtres. On est là. Des profanateurs de galaxies. D'accord. Des PG. Ok. On a des PG. Voilà. PDG. Des PDG. D'accord. Et on doit faire des torches. Ok. Pour se battre. D'accord. Et on n'a pas d'autres informations. On n'a rien. Ok. Ils ont des couteaux. Il a un couteau. Un couteau suisse. J'ai atterri parce que la nuit a été compliquée pour moi, messieurs. Hein. Et mesdames, madame. Allez-y, faites vos trucs, je réfléchis. Moi, je sais pas, je fouille dans les affaires de cas, je lui demande même pas, je regarde s'il y a des trucs qui peuvent soit protéger ou servir d'armes, un truc utile potentiellement. Je regarde dans leur truc, je fouille un peu sans savoir trop ce que je cherche. Je regarde s'il y a un truc utile. Mais Excuse-moi, tu fous le sac de Jackie, c'est ça? Donc
dans le sac de Jackie, comme prévu, il y a en effet un couteau suisse qui va permettre en fait d'avoir un plus 2 en utilisé à chaque fois que vous voudrez réparer, bricoler, faire un crochetage de serrure, décoller une latte de bois sur un ponton ou défaire un clou, voilà. C'est espèce de petit outil à tout faire, donc il ne met pas un dégât supplémentaire en bagarre, parce que c'est vraiment un petit couteau. Il est utilisable en combat et c'est un 2D létal, voilà. Mais il a surtout cette capacité spéciale qui est un peu le couteau de MacGyver, donc il est très utile. Et dans les affaires de Jackie, il y a également un peu de fumette. Jackie est un petit radin qui n'avait même pas ramené ça pour votre soirée. Vous êtes un petit peu déçu. On croit connaître les gens. C'est pour ça que le démon l'a choisi lui en premier. Voilà comment on brise un groupe de rock. Moi, je voudrais voir si j'ai de quoi faire un rituel de protection sur la porte. Oui, alors absolument. D'ailleurs, parlant de cela, j'aimerais pas mal, Barbara, que pendant que tu fais ça, en fait, tu te rends compte d'un truc. Oui. C'est-à-dire que tu prends un peu les quatre éléments, une poignée de poussière, quelques feuilles, une larme au coin de ton œil. Tu souffles. Je souffle. Et puis tu fais ça, et c'est vraiment des gestes que tu as répété des tas de fois sans, on va pas se mentir, qu'il se passe grand chose. Hein. Voilà. Et au moment où là, par contre, ce soir, tu le fais, tu sens vraiment en toi quelque chose de changé. Et sur cette porte, il y a vraiment, au moment où tu traces les symboles, tu déposes les feuilles et tu souffles pour activer. Ça fait vraiment comme une poussière légèrement brillante. Il n'est pas impossible que si quelqu'un te regarde, il voit même une sorte d'aura ocre et jaune un peu diffusée vers la porte. Et tu as la conviction, au moment où tu fais ça, que cette porte est vraiment entre toi et l'extérieur et qu'elle est une barrière. Et c'est très bizarre. Tu n'as jamais senti quelque chose comme ça en toi avant. Du coup, j'ai envie de la franchir pour voir ce qu'il y a. Justement, je vois ça comme un portail. Toi, tu peux la franchir. Tu as en revanche l'impression qu'il faudra ton autorisation pour pouvoir. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, ouais. Il le fait. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, bon, ça se voit pas de l'extérieur. C'est que moi qui le vois, enfin, qui ressens ça comme ça. C'est toi qui le ressens. Après, okay. est-ce que tes camarades vont te croire ou pas? Mais en tout cas, t'es peut-être un peu surprise aussi. Oui, du coup. Ça me dépasse en fait, vu que ça a jamais rien fait comme ça. Bah c'est ok, d'accord. Bon. Barbara, quand t'auras fini d'assaisonner la porte, tu pourrais nous donner un coup de main? C'est pas le moment de prendre ça à la légère là. Il se passe, je sais qu'il se passe vraiment quelque chose. Je le sais. Et tu pouvais pas sentir, mais c'est normal. T'as une énergie bleue. Mais il faut juste laissez-moi faire encore quelques secondes. Je vous promets. Ça, je le sens. Je le sens plus que n'importe quel autre jour dans ma vie. Et on le sent aussi l'origan, mais c'est tout ce qu'on sent. Madame, si vous pouvez regarder vers la fenêtre, si vous voyez quelque chose. Je vois rien. Moi, je vois rien. Je regarde mes pieds. Je suis par terre. Je suis en train de me rouler dans mes larmes. Vous inquiétez pas. On est protégés. Oui. Non, on n'est pas protégé, Barbara. C'est une porte, Barbara. Ou peut-être vous que moi, par contre. C'est quelqu'un possible. Du groupe. Non, mais il faut y croire. Enfin, faut vous mettiez un peu de bonne volonté aussi. Je peux pas vous inclure dans mon énergie si vous mettez autant de mauvaise volonté. C'est toi qui nous en a inclus de ton énergie depuis le début, Barbara. Juste que je peux pas te demander de t'inclure quand tu veux pas qu'on t'inclue. J'ai rien compris. Ok. Moi non plus, je veux pas. Moi, je n'ose rien dire. Moi, je enlève un bon point, Kyle. Bon, du coup, on s'engueule un peu avec Cindy. Gentiment, mais on s'engueule dans la panique, quoi. Oui. Moi, je suis en train de fignoler. Là, j'ai réussi à arracher les pieds de table, à mettre mes brins de t-shirt autour. Vous avez du coup un Kyle musculeux et un peu transpirant qui finit de. d'enrouler les bouts de t-shirt sur les piquets de bois récupérés sur les chaises. Il faut pas un deuxième t-shirt pour d'autres. Ça va. Non, t'inquiète, on a déjà des torches pour c'est tout. C'est des bonnes cames. On essaie de faire fuir les démons, pas de les attirer, Bruce. Ok.
Vous avez d'excellentes torches. Voici, voici votre problème de lumière, en tout cas partiellement réglé. Vu que je suis magnanime, on va dire que vous avez un des six torches. Quelqu'un me jette un des six, s'il vous plaît. Moi, je suis peut-être encore dans mon fin de rituel, je sais pas. C'était une chaise à six pieds. Ouh. Une chaise à six pieds, bon, ça veut dire que vous avez le max, quoi. Voilà, chacun la vôtre. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en pénurie. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui a un briquet. Vous devez un peu fumer. Vous êtes des ados, quoi. Bah avec la fumée dans le sac, il y en avait. Moi, c'est pour mon enfant. D'après une étude récente, le tabagisme, même passif, serait nocif pour la santé. Oui, ça, on est en 85. Est-ce qu'on est sûr qu'on dit ça déjà? Moi, je le dis. Lui, il le dit, mais il n'y a que lui qui le dit. Je l'ai dit dans Science Junior. Il l'a dit. Oui, mais c'est moins nocif que se faire égorger, très cher. Oui, voilà, exactement. Donc, je pense qu'on pourra supporter. Par contre, peut-être que ça peut être gênant si on n'ouvre pas une fenêtre ou un truc parce qu'on est quand même en intérieur et ça fait de la fumée quand même. Faut pas briser le cercle. Ouais, mais faut pas briser mes. Alors, Barbara, je sais que t'es pas très forte en géométrie, mais la cabane n'est pas un cercle. C'est un cercle énergétique. C'est plutôt un rectangle. La cabane est plutôt un rectangle. Bon, moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher par terre mes clés, en train d'essayer de réfléchir à où est-ce que j'ai laissé les clés du bus, quand est-ce que je suis allée récupérer les lampes torches, est-ce que j'ai ouvert la porte. Tu as tes clés, tu arrives à les récupérer dans la panique, dans tes affaires. Moi, je guette à la fenêtre. Vous avez celle qui est le. Suisse. Voilà. Ouais. Juste pour dire alors, que je regarde si jamais je vois quelque chose, même s'il fait très sombre, donc je pense que je vois. Ouais. Voilà, tu guettes à la fenêtre plutôt côté forêt ou plutôt côté lac, plutôt côté là où le tueur, d'où le tueur, parce que bon voilà ce qui arrive à bouche et tout ça, j'ai même pas écouté. C'est donc, voilà d'où le tueur à nous vient. Pour vous c'est plutôt côté lac puisque c'est là où il y avait le ponton. Et le lac aussi il m'intéresse beaucoup donc je regarde vraiment beaucoup par là. Ok, donc maintenant, entre les trois étoiles qui se trouvent au-dessus de ta tête, sur le ciel noir d'encre, aussi noir que le lac qui n'a plus un mouvement aussi et qui ne fait que refléter ce qu'il y a au-dessus de lui, il n'y a plus un vortex, une galaxie, il y a les contours, tu dirais, d'une planète ronde, presque comme une lune que tu n'aurais jamais vue. Et elle n'est pas entièrement éclairée. Il y a une de ces un croissant d'elle qui est éclairée. Et c'est une planète que tu ne connais pas. En tout cas, elle ne ressemble pas à la Lune. Elle est jaune et ocre, comme si elle était faite de sable. Ok. Mais par contre, tu ne vois pas de silhouette ou d'autres choses. Par contre, il n'y a plus un son à l'extérieur. Et il est probable que ce soit un sort funeste qui a été réservé à Quinn, Ellie et Gale également, dont vous n'avez pas de nouvelles et que vous ne soyez plus que vous quatre ici. J'appelle Bruce pour lui montrer la planète pour savoir si jamais ça lui dit quelque chose. Et sinon. Quoi ? Sinon, ça me fait très peur. Regarder un truc ? Oui, Bruce, regarde à la fenêtre s'il te plaît, avec tous tes machins là, regarde. C'est trop cool que tu m'appelles Bruce, d'habitude tu dis hep, machin, truc. Alors je regarde, j'ai un petit, en voyant la planète là, se dessiner un petit peu, avant même de faire un jet de quoi que ce soit, j'ai un petit, je lâche un petit, oh, Arrakis. Au bon lait de brebis. Pourquoi il parle de fromage? Chut. J'essaye de voir, clairement ça n'a rien à foutre là. Non. On est d'accord qu'on est sur quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu. Est-ce que j'ai un rêve de quelque chose? Non. Tu sais pas du tout ce que c'est. Et d'abord, si on part du principe et vu ton niveau en connaissance, on peut partir de ce principe que tu connais par cœur le système solaire, toute la position de chaque planète dedans, qui est la plus près, qui est la plus lointaine, qui tourne, comment, quelles sont les orbites de chacune, les tailles de chacune et tout. La dernière, c'est Pluton. La dernière, c'est Pluton pour l'instant. En fait, pour toi, c'est complètement impossible ce que tu es en train de regarder parce que vu l'heure, vu l'endroit du ciel où ça se passe,
il ne peut pas y avoir cette planète ici. C'est comme si elle était convoquée d'ailleurs d'un autre système et qu'elle elle se pointait dans le vôtre. Et ça, pour toi, c'est aberrant. Aberrant. Ok. Voire très effrayant, voire très excitant, peut-être, aussi, en fait. Un peu de trop. Bon, c'est quoi ? C'est une planète. Et ça n'a rien à foutre, là. C'est ce que je me disais. C'est sûrement lié au profanateur de galaxie. C'est ça le PDG. Ils veulent nous chausser le cerveau, je sais pas ce qu'ils veulent faire. On va tous crever. Bon, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. Et là, du coup, je tente un truc. En regardant, je dis... en regardant la planète... Bon, sans trop savoir encore une fois ce que je dis. Je dis... Lash lash nash unkaman tarahales. Ok. Alors là... Il s'en passe, quoi. Il y avait des choses à dire. Oui. J'étais pas prête. Désolée. Je... Elle parle un dialecte klingon que je ne connais pas. Au moment où tu dis ça, ton esprit se déconnecte complètement de ce qui est autour de toi. Ton frère n'est plus là, Bruce n'est plus là, ta prof n'est plus là. En fait, tu n'es plus dans cette cabane. C'est comme si ton esprit avait voyagé jusque sur cette planète. Aspiré. Comme si ton corps était prisonnier sur Terre, mais que tout ton être, lui, s'était rendu ailleurs. Ton esprit est dans une ville magnifique. Elle est parcourue de tours, comme si elles étaient constituées d'ivoire. Il y en a de toutes sortes. Des minarets magnifiques, avec au-dessus des clochers... il y a des statues, c'est très haut, il y a des rues très étroites. Et cette ville est en haut d'une colline qui surplombe un immense lac, gigantesque, peut-être 1000 fois plus grand que celui où se trouve ta petite cabane sur Terre. Ce lac est complètement noir et des volutes imperceptibles et indéfinissables sont en train de courir sous sa surface. Dans les rues de cette ville, dans lesquelles tu as l'impression de marcher, maintenant, tout le monde porte un masque pâle, le même que celui que les choses que tu viens de voir là dehors. Tu arrives sur une place qui surplombe une sorte de grand festival. Tout le monde fait la fête. Tout le monde a des lampions, des lanternes, se réjouit. Il arrive, c'est ce soir, nous l'avons attendu depuis des millénaires. C'est maintenant. Et au milieu de cette grande place, il y a comme une sorte de grande cérémonie, de grande fête qui a lieu. Le roi va venir. C'est lui, il arrive. Tout est en place. Et il ne porte pas de masque. Il ne porte pas de masque. Et ton corps est rappelé, et ton esprit est rappelé, et les deux... Tu revoyages et tu réintègres tes sneakers 85 sur le bois de la cabane. J'ai pas vu le visage du roi. Non. Ok. Ça va ? Pour le moment, je bouge pas. Je disais... Rakesh, ça n'a rien à foutre là. Et puis après, t'as dit un truc. Et du coup, tu bugs sur la planète. Ça va pas ? C'est ta soeur, elle est un peu... C'est... Enfin, plus que d'habitude, je veux dire. Ouais, enfin je... J'étais ailleurs. Non. J'étais... Non. Si. Ça fait plein d'années scolaires que t'es ailleurs, Barbara. Faudra qu'on en parle quand on reviendra dans le bureau du directeur. Vous faites une masquée, vous. Non, je n'ai pas de masque, Barbara. Bon, le nerd, il avait raison sur un point. C'est un jour particulier aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ces trucs de Salakis au bolet de Brobis, là. Juste qu'il faut savoir, c'est quelque chose. C'est que les masqués, là, ils viennent pas d'ici. Ben je sais pas vraiment d'où ils viennent, mais ils viennent pas de notre plan astral. Je peux communiquer avec cet endroit, mais je sais pas comment le contrôler vraiment. Et il y avait aussi une sorte de roi. Ok. Est-ce que ça peut nous aider à esquiver les gens qui veulent nous trancher la gorge ou pas, du coup ? Je pense que moi, ils me trancheront pas la gorge. Eh ben, c'est bien, mais nous, ils risquent de nous la trancher quand même.
Alors arrêtez de remettre en question ce que je dis tout le temps. Attends. Barbara va nulle part pour l'instant, on reste là. On ne sait pas ce qu'on va faire. Il faut qu'on établisse un plan. Moi, je dis qu'il faut qu'on aille dans le bus. Il faut que je retourne là-bas. Non, il faut qu'on prenne le bus et il faut qu'on parte. Vous m'avez dit qu'il fallait qu'on prenne le bus et qu'il fallait qu'on parte. J'ai retrouvé l'épée. On a des torches, on peut y aller. On peut partir. On peut courir jusqu'au bus. Je pense que ça ne servira à rien. Même pas 5 minutes d'aller jusqu'au bus. Tout va bien. Celui qui court le plus vite. Non, mais je vais le faire. Non, faut pas ouvrir la porte. C'est évident qu'ils sont là encore. Il y en a pas qu'un, ça, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a plein des gens masqués. Mais s'ils peuvent égorger des gens, ils peuvent ouvrir des portes. S'ils nous auraient déjà tués, si. Non, j'ai fait mon rituel. Nous. Barbara, il n'y a pas de rituel. Arrête-toi, s'il te plaît. Bon, ça va. Toi, je supporte ta musique de merde depuis tant de temps. Tu pourrais me soutenir un petit peu, je suis ta sœur, bordel. Mais j'essaye de te soutenir. C'est toi qui pars trop loin. Je peux pas te dire si. Tu es déconnectée, Barbara. Il faut revenir. Écoute, Barbara, j'ai remarqué un truc en arrivant tout à l'heure. Le cadenas de la grille qui a eu du mal à ouvrir à Madame Spies. Il y avait le logo de la compagnie de papa dessus. Il y a pas... Mais c'est pas possible. Il n'est pas dans. Il a fait fortune dans le cadenas. C'est probable. Non, arrête. Notre père, il tient des scieries dans toute la ville, dans tout le pays. Et Barbara, il y a 3 semaines de ça, tu te souviens qu'il était parti en voyage, papa? Juste avant, il m'avait dit que c'était important, c'était un voyage important. Oui, bah c'est toujours important de toute façon, parce qu'il parle tout le temps. Oui, tout à fait. Il m'a expliqué. Il m'a dit que depuis quelques semaines, dans une des scieries qu'il avait ouvert récemment, des hommes avaient disparu. Que personne ne les avait retrouvés. Je suis en train de me demander si on n'est pas sur le terrain de la nouvelle scierie de papa. Mais il fait quoi avec les gens, papa ? Je ne sais pas. Ok, c'est officiel, j'ai peur. Peut-être qu'il a vu les choses que j'ai vues. Il m'a juste dit que peut-être de lui ce que je vois. Après, ça rejoindrait la théorie du PDG. Ce serait fou. C'est quelqu'un qui en veut à papa, Barbara. Est-ce qu'il y a un co-PDG dans votre entreprise? Mais c'est complètement con. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens masqués. C'est pas. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Vous les reconnaissez? C'est un des hommes les plus riches du secteur, notre père. Il y a plein de gens qui ont des raisons. Il y a des milliers de personnes qui auraient des raisons de lui en vouloir. Mais moi, j'étais sûre pendant tout ce temps, il avait juste une maîtresse, en fait. J'ai cru aussi, mais non. Bah, je suis un peu... Voilà, je réponds plus trop, là. Je réfléchis beaucoup. Un peu choc-barre de baiser. Mais est-ce que du coup, on peut quand même aller dans le bus ou pas? Ou est-ce qu'on va vraiment passer 20 ans à décrypter votre histoire familiale? Moi, je vote pour le bus. On peut faire un vote, hein, mais moi, je vote pour le bus. Mais du coup, si on est près de la Syrie de papa, il y a bien un endroit où on peut se réfugier. Le bus, pour partir. Barbara. Partir en bus à la Syrie du papa. C'est peut-être des gens qui en veulent à notre famille. Plus on reste ici, plus on prend de risques. D'accord. Attends un petit peu. Après, Kyle Montgomery, ou je ne sais pas quel est ton vrai nom. Je m'approche de lui doucement. Je monte sur le lit parce qu'il est plus grand que moi, clairement. Je monte sur le lit et je te regarde vraiment de près dans les yeux. Limite même, tu sais, je t'ouvre un peu l'œil comme ça, de ce genre. Tu étais un peu incrédule, peut-être. Tu sais, je t'ouvre un peu l'œil, genre. Ouais. Ouvre un peu ta langue, si t'as pas une langue fourchue. Ça va, je pense que vous n'êtes pas des fils de profanateurs de galaxies. Mais je vous garde quand même à l'œil. Merci, on est super rassurés. Merci, monsieur Davis. Mais si c'est des gens qui en veulent à votre père, pourquoi est-ce que Barbara a l'impression qu'elle ne sera pas touchée? Mais parce qu'elle est perchée, elle a toujours été perchée depuis qu'elle est née. Qu'est-ce que n'arrête pas de le dire. Vous allez juste le savoir bientôt, c'est tout.
C'est les cachets qu'elle vous a pris. Quel cachet? Quel cachet? Quel cachet? Quel cachet? Vous m'avez pas pris mes cachets. Qui? Quel cachet? Kyle, Kyle, vous venez de dire que vous avez, que c'était les cachets. Quel cachet? Mais non, c'est parce qu'elle, c'est parce qu'elle, parce que. Où sont mes cachets? C'est caché. Ils sont cachés. Non. Et là, je cours sur mon sac. Vous avez caché. Je cours sur mon sac et je vais essayer de trouver mes cachets. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de cachets. Et tu te rends compte que des bêtes, c'est comme si des bêtes sauvages avaient attaqué ton sac. Puis, y a c'est plus un bel bord. Il n'y a plus rien dans mon sac. Il est vide. Il est genre. Mais quoi? Comment? Si je bats coup de coude à mon sac en mode, t'auras pas pu te taire. Mais c'est des antidépresseurs. Pourquoi vous avez pris mes antidépresseurs? Mais on n'a rien pris. C'est peut-être des rongeurs. C'est pas des rongeurs. Il vient de dire que c'est mes cachets. Il est super proche des rongeurs. Non. Il faut me le dire parce que là, c'est un problème de santé, c'est grave. Si vous avez pas pris de l'alcool avec. Il y a pas d'alcool dans un camp avec des enfants, de toute façon. Où est-ce qu'on aurait pu trouver d'alcool? Au cas où, il faudrait faire des cocktails Molotov pour nous protéger des PDG. Écoutez, en Vietnam, la meuf. Je propose qu'on parle de tout ça plus tard, non? Non, je propose qu'on en parle maintenant, c'est quand même... Ouais, on devait aller sur le bus, c'est bon, je suis d'accord, on y va. Ah, bah écoutez, on en parlera tout à l'heure, mais Barbara est ok pour le bus. Bon courage pour ouvrir la porte, je pense que mon rituel vous bloquera aussi, mais bon. Tous au bus, tous au bus. Oui, c'est ça. À l'autobus. Tous au bus. Tous dans le car. Même si c'est assez dur à faire. Car dehors, évidemment, vous vous en doutez, il se trame pas mal de choses. Donc, dès que vous mettez le pied dehors et que vous passez la porte, pour toi, Barbara, c'est vraiment... T'es presque frustrée qu'il t'ait pas cru. Je boude. Tu sentais bien ce rituel. Vous êtes à l'extérieur. Je suis super déçue. Autour de vous, il n'y a plus de son naturel de forêt, il n'y a plus un bruit normal d'animaux, il n'y a plus une chouette qui ulule. En fait, il n'y a même plus vraiment de craquement dans les bois, il y a un silence planant, étrange. Et à part une lumière de l'autre côté de la rive où vous êtes, de l'autre côté du lac qui brille, je ne sais pas ce que c'est, en fait, à part ça, il n'y a vraiment rien de notable. Et bien sûr, si toujours cette vision entre ces trois étoiles dans le ciel, une planète ocre. Vous arrivez vers le bus. Vous n'êtes pas ni pourchassé, ni arrêté par quoi que ce soit. Cindy, tu as les clés. Tu peux entrer. Je rentre dans le bus, ouais. Il est là où vous l'avez laissé tout à l'heure. Rien de spécial. Allez. Je fais un tour quand même avant à l'intérieur avec la torche qu'on a pour essayer d'éclairer un petit peu pour voir s'il n'y a rien sur les sièges, sur quoi que ce soit. Et une fois que je me rends compte qu'il n'y a rien, je m'assois à la place du conducteur et je commence à tourner les clés dans le contact. Ok. Tu vois que là aussi, la batterie a une petite faiblesse. Tu as du mal à le démarrer. Comme si finalement... toutes ces choses électriques qui s'étaient mises à ne plus fonctionner, c'était peut-être pas ta faute, en fait. T'es peut-être très compétente et t'as juste peut-être pas eu de chance. Hein. On a été touché par une EMP. Une électromagnétique pulse. Justement, à quel point le bus a été touché par cette EMP? Eh bien, je vais vous demander un peu de suspense et d'aléatoire, parce que c'est toujours plus amusant. La personne qui a le plus haut score en utilisé, bah, vous êtes autour de 4, hein, du coup. En plus, ça tombe bien, c'est votre prof, Cindy, qui conduit. Cindy, c'est très simple. Si tu fais, sur un score comme ça, si tu fais la moitié du dé, donc tout ce qui est numéro impair, l'impair fait échouer le démarrage du bus, la batterie est à plat, et tous les numéros pairs sur un D6, t'as 50% de chance, feront démarrer le bus. Du coup, je lance mon dé. C'est un 3. Donc tu l'entends, et puis même le démarreur,
il vient pas et tu t'acharnes et puis il finit juste par faire clic clic et puis y a plus de son et puis y a plus rien. Ok, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle, mais en même temps, j'ai une super bonne nouvelle. Ok, vous vous souvenez tout à l'heure, quand les lumières se sont éteintes et qu'il n'y avait pas de soucis parce que c'était pour... Ok, c'était de la connerie, ouais. Hein, je vous ai menti. Et là... Ah, c'est la mauvaise nouvelle. Non, la mauvaise nouvelle, c'est maintenant. C'est parce que le bus ne démarre pas, il ne démarrera pas. Mais la super bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est pas ma faute, c'est juste l'électricité qui merde. C'est pas moi. Et ça, c'est trop bien. Mais on pourra pas partir avec le bus. À moins de trouver une batterie de rechange, mais je pense que tous les trucs électriques marchent pas. Ok. Je sais pas si le bus est plus sécurisant que la cabane. Je dirais que la cabane est peut-être plus sécurisante parce qu'on a plus d'espace pour bouger. Après, c'est un peu risqué de reprendre, de refaire un aller dans le noir. Mais il s'est rien passé en y allant. Je sais pas. Moi, je dirais qu'on serait mieux dans la cabane. On pourrait revoter. Ça a super bien fonctionné quand on est venu ici. Donc tout ça pour ça, vous avez mis une demi-heure à me dire que ma protection ne servait à rien, tout ça pour y retourner et vouloir ma protection encore. Donc, j'admets que devant l'inefficacité de la technologie que nous avons à notre disposition, peut-être que ta protection à toi peut être une protection de plus. Oui, non, mais la cabane c'est bien la cabane. Cabane c'est bien. On peut voter vite fait, mais cabane, c'est bien pour moi. Je regarde par la fenêtre pour voir si je vois toujours la... tout comme d'habitude, avant de voter. Y'a rien qu'à changer. Ah, on t'entend pas, Lino. Oui. Excusez-moi. Voilà. Tu vois toujours tout comme d'habitude, ce qui est toujours aussi bizarre depuis tout à l'heure. Oui. Et le calme à l'extérieur est glaçant pour chacun d'entre vous. Qui vous fait d'ailleurs penser à une chose, c'est que en fait, quand vous êtes passé à côté du ponton pour vous rendre vers le bus, il n'y avait pas les corps de vos camarades. Il n'y a personne dehors. Il n'y a ni Ellie, ni Quinn, ni Gail, ni Jackie qui sont là. On a pu s'en apercevoir dans le noir malgré le... Vous êtes quasiment passé à l'endroit où il devait se trouver et je considère que vos torches sont allumées puisque sinon oui, vous ne pouvez pas voir. Vous auriez dû les voir à terre si on les avait laissés. Il y a quelques traces de sang, mais leurs corps ne sont pas là. Donc ça aussi, c'est une information glaçante. Vous demandez un peu, ils sont où? On leur fait quoi? Et s'ils étaient captifs et non tous morts, par exemple, aussi. Moi, j'en profite pour dire que je ne les crois pas, du coup. Moi, je commence à avoir des doutes sur la véracité de leurs propos et je suis en train de me dire qu'ils sont en train de me faire un coup fourré et qu'ils sont en train de me prendre pour une chèvre et qu'en fait, il ne se passe rien et c'est juste pour me tourner en bourrique. Qu'est-ce que tu nous dis ? On l'a vu. Non, juste je le pense, juste je le pense. Pour ah, tu le dis pas, ouais. Rien, pour le moment, tu confondes. Ok. Je commence à avoir des doutes sur la véracité de ce que vous racontez. Elle a pas vu de cadavre, elle a entendu des cris. Elle a même pas vu le mien. Ouais. Après, nos lampes torches, elles étaient sans piles. Oui. Enfin, elles avaient des piles, mais il n'y avait plus de batterie dedans, quoi. Les piles, elles étaient mortes. Linou, est-ce qu'elle arriverait à me convaincre de sa version? Parce que moi, je pourrais me dire aussi, si ça se trouve, c'est Gail et les autres qui m'ont fait un bug tout à l'heure, même si c'était un peu je voulais bizarre. Tout à l'heure pour t'en parler. Le professeur Cindy Smith, elle a quand même 6 en influencé. Et toi, alors attends, parce que du coup j'ai été trop vite et j'ai pas regardé. 2, donc tu es vraiment et en raisonné. Ah si, en raisonné, t'es pas mauvais quand même. Je vais un peu trop vite, pardon. Elle pourrait te convaincre. Si c'est séduisant pour toi et que tu as l'habitude en plus d'être malmené par tes camarades avec un 6 en influencé, elle pourrait te convaincre. Et puis c'est la prof, quoi. C'est la prof. Ok. Ouais, c'est possible. Ouais, je pense que vous avez raison, hein, madame. Ah bon, on va avoir une petite discussion alors. Donc j'essaie de prendre Bruce un peu à part et j'en discute. Donc Bruce, vous vous mettez dans la cabane pour faire ça, vous mettez à l'abri, puis tu prends mets sur le côté avec lui. Ok. Bruce, j'ai quelque chose à te dire. Quand t'étais dans la forêt, t'as vu quelqu'un mourir ou pas? Non.
Est-ce que tu as vu un visage, quelqu'un que tu ne connais pas? J'ai vu quelqu'un qui avançait. Il y avait une espèce de toge avec un masque. Il avançait un peu bizarre, comme ça. Quelque chose qui couvrait l'entièreté de son corps. T'as pas vu son corps? Parce que moi, je vais te dire un autre corps qu'on n'a pas vu. C'est qu'ils viennent de nous dire qu'on a des amis, des élèves qui viennent de mourir. On a quand même fait tout le trajet pour aller dans le bus. Il n'y avait aucun cadavre. Il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai une information à te donner. Vous le savez, dans l'école, vous le savez, je viens de divorcer avec mon mari, qui était professeur de sport dans ce lycée, d'accord ? Je pense que Kyle, étant quarterback de l'équipe de basket, de baseball et de tout ce que tu peux trouver comme sport, je pense de rock'n'roll. Qu'il est exactement. Je pense qu'il est extrêmement ami avec mon ex-mari et je pense qu'ils sont en train de me faire tourner en bourrique. Ils sont en train d'essayer de faire. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais ils essaient juste de me faire tourner en bruit. Je suis sûre qu'il n'y a rien, on n'a pas vu de corps, on vient de passer à côté de là où ils étaient, il n'y a pas de corps. Il y avait une petite flaque rouge sur le sol, mais ça peut être le ciel qui se reflète dedans, je sais pas. Je suis sûre que c'est un coup monté pour se foutre de moi. Pendant qu'ils discutent, juste continue à regarder la lune et j'essaye toujours de me connecter avec. Pour en voir plus. Ouais, ça pourrait se justifier parce qu'ils ont fait semblant de faire un cache-cache pour pas que je les retrouve le temps de s'éclipser. Et justement, comme de par hasard, au moment où je sors, je tombe là-dessus. Mais tu sais pourquoi ils ont essayé de te mettre à l'écart? Parce que t'es le plus intelligent du groupe. Exactement. T'es le plus intelligent du groupe. C'est tellement ça. Je suis content que vous en rendiez compte en moi. Ils savent qu'on a un lien particulier, toi et moi, parce que je t'ai fait confiance avec le livre sur la chasse, la pêche et la cueillette des baies. Oui. Oui. Ouais. Je suis désolé, mais je vous le rendrai quand on. Oui. C'est pas le souci, Bruce. C'est pas le souci. L'important, c'est que je pense qu'ils se foutent de notre gueule. Et moi, je dis à Kyle pendant ce temps, si vraiment. C'est des chasseurs de tête qui nous veulent. On peut dire que les deux, là, c'est nous. Comme ça... Ça, c'est bien. Ça, c'est une si bonne on idée. Les croise... On se fait passer pour eux, ils sont passés pour... et on les fait passer pour nous. C'est ouais. ça. Ils cherchent un faudra, beau gosse d'un mètre 80, c'était tout moi. On chuchote, on dit que voilà. On pourra faire attention à... Enfin, voilà, il faudra qu'on soit ensemble sur le coup, mais... Okay. Tu t'appelleras okay, Bruce, okay. Moi, je m'appellerai Professeur Smith. Ok, je suis avec toi, Sorette. Voici un plan qui se déroule sans accroc là, du côté des Montgomery. Très bonne idée. Alors, du coup, Barbe, ta connexion était à un moment donné... tu te sens toujours très spéciale durant cette nuit. Pas plus, pas moins que tout à l'heure. Tu sens une constante dans ce que tu ressens. D'accord. Pour l'instant, si tu te laisses un peu guider par tes intuitions, oui, toi, t'es persuadé qu'il est peut-être encore possible de retrouver vos amis disparus, si tant est qu'ils soient peut-être encore en vie, mais tu n'en es même pas certaine. Par contre, tu ne sais pas du tout comment quitter les lieux. Vous avez quand même, vous, qui avez été près du ponton tout à l'heure, observé qu'il y avait des barques aussi. Si on ne peut pas quitter les lieux en bus, même si c'est dangereux et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a sur la rive d'en face, on doit peut-être pouvoir quand même traverser en barque. Ça aussi, c'est une potentialité. Vous avez entendu votre prof tout à l'heure dire « Ouais, il faudrait peut-être essayer de changer la batterie, mais peut-être que tous les trucs électriques sont morts. Là encore, vous n'avez pas fouillé l'intégralité des garages à bateaux, des ateliers pourris pour voir si... il y avait de quoi changer une batterie, mais oui, vous n'avez aucune garantie qu'elle soit fonctionnelle. Après, ça... Voilà, vous, je pense que c'est vous qui avez le plus voyagé, finalement, entre les deux cabanes et le ponton. Donc, vous avez peut-être une meilleure évaluation de votre environnement direct et de ce que vous pouvez trouver autour de vous. Ok. Moi, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une lumière de l'autre côté du lac, un peu. Ah oui, c'est vrai, aussi. Absolument. Ça, je l'ai remarqué, celui-là. Ouais, c'est comme
si on... j'ai pas l'habitude de la montagne, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps en arrivant dans la région là, mais ce truc bizarre où la nuit tu regardes une falaise ou une montagne et tu la trouves très abrupte avec des arbres et tu dis personne peut habiter là, et puis hop, t'as une loupiote qui est allumée, tu vois. Bah ça fait vraiment cet effet en fait. Ok. Bah après, moi j'avais vu que je pense franchement que le lac fait office de portail vers le monde où je suis allée tout à l'heure. Et je pense qu'en allant vers là-bas, ça pourrait être intéressant aussi, parce que si ça se trouve, c'est là-bas aussi qu'ils sont les potes. Ils ont peut-être juste passé le portail. Bah oui, c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, ça peut être intéressant de prendre une barque pour essayer de se barrer d'ici. Ça, oui. Sinon, on peut rester dans la cabane et attendre la nuit. Hein. Parce que là, il se passe rien depuis tout à l'heure. Hein. Pour moi, il n'y a rien. Hein. On est il bien se passe rien parce qu'ils savent qu'on est là. Parce que... Il s'est passé mais quelque chose, nous. Hein. Il s'est passé quelque chose. Oui, je suis désolé. Je l'ai vu. Je l'ai vu, Jackie, se faire trancher la gorge. Il s'est fait trancher la gorge devant nous. Et ils sont pas là, on voit bien qu'ils sont pas là. Les corps sont plus là, donc ils sont bien quelque part. Donc Et on a entendu les filles hurler. Oui, mais vous avez entendu les filles hurler. Ouais, puis des filles qui hurlent, c'est normal. Non, oui, quand elles te voient, oui, c'est normal. C'était pas les hurlements de début. Oui, mais c'est qu'elles ont pas pu le voir puisqu'il était avec moi, dans les bois, donc... Bon... De toute façon, si vous faites ce que vous voulez, en fait. Au final, j'ai envie de dire que bon, le côté responsabilité de la prof, on a vu ce que ça donnait. Ça casse un canard pour aller dans le camp. C'est pas capable d'amener des lampes torches qui ont une pile. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire que si on veut survivre, j'ai l'impression qu'il va surtout falloir compter sur un peu n'importe qui d'autre, quoi. Barbara, on se calme. Comment d'un tu camp. Vas te faire coller, toi. On se calme d'un coup, Barbara. Je vous rappelle qu'on est venu en bus, qu'il s'est rien passé. Et c'est uniquement à partir du moment où on a vu quelqu'un se faire tuer. Et mes antidépresseurs qui se passent des trucs et que vous voyez des machins dans le ciel, hein. Peut-être que si vous arrêtiez d'halluciner avec mes antidépresseurs et peut-être mon alcool. Peut-être mon alcool, il y avait je sais pas combien de litres, hein. Au bout d'un moment, c'était pour vous tout seul. Les plaies, d'accord. C'est super bien pour désinfecter les plaies. Oui, je l'ai lu dans le livre. Voilà. Et je oui, le bourbon à $45, avez... oui, bien sûr. Oui, bah, ils avaient plus d'alcool désinfectant des plaies. Et puis je me suis dit, ça... Bon. Non. Hein ? Merde ! Madame, on est quand même d'accord que là, tout de suite, maintenant, qu'il soit mort, qu'il soit pas mort, que ce soit une farce ou pas, il faut qu'on s'en aille. Tout seul. Oui, on est tout seul, mais on est bien, pas, là. On va pas attendre, on est bien, mais vous êtes bien, vous ? Mais il s'est rien passé depuis qu'on est à l'intérieur de la cabane. Normal, c'est mon rituel de protection qui vous a protégé. Mais dites surtout pas merci. Oui, c'est sûrement ton sort de protection. Pourquoi tu l'as pas fait quand ton ami se faisait trancher la gorge devant toi? Mais vous avez vu le temps que ça prend et puis j'étais paniquée. Hein. J'aimerais bien vous y voir si vous voyez quelqu'un vous faire trancher la gorge. Eh ben justement, j'aimerais bien m'y voir si je voyais quelqu'un se faire trancher la gorge, mais bizarre. Moi, j'ai bien vu. Madame, je vous en... Elle veut voir des morts. Je vous en veux beaucoup. Vous êtes très ténébreuse. Comment vous les cailles? Qu'est-ce que j'ai fait? À cause de vous, je suis d'accord avec ma sœur. Et ça... J'avais dit qu'elle avait une âme sombre. Mais je vous avais dit que ce week-end servirait à resserrer nos liens et à nous montrer nos vrais visages. Il y a des visages que je préférais pas voir, perso. Oui, et il y a des... Encore une fois, Barbara. Mais ça, de toute façon, vous êtes restée dans votre personnage, vous, Barbara. Là, du début à la fin, vous n'avez pas changé. Mais il y a des gens avec des masques qui risquent de répliquer quand même, là. Il y a un vous Jean. Vous avez vu? Oui, moi, j'en ai pas vu. Hein. Moi, j'ai vu un Jean. Bruce. Il y a un... Donc, il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux. Il y en a un qui a tranché la gorge de Jackie. Il y en a un autre que vous avez vu. Ouais, mais... Ouais, je sais pas. Ça, eh ben, on n'a qu'à faire un truc. Si vraiment c'est dangereux, comme que vous croyez que c'est dangereux, on n'a qu'à aller chercher de quoi s'équiper, de quoi... Il y a des cabanes à bateaux. Il y a sûrement des trucs qui coupent et des trucs qui... Enfin, moi, je ça, on peut. Ça, on peut chercher. Je me coupe. Je m'en occupe. Les trucs qui coupent, je les prends. Ok. Bon, ouais, on peut éventuellement aller jusque là. On prend des trucs qui coupent. Voyons déjà. Voilà. En passant, on verra bien. Si vraiment, il y a des gens qui se sont fait égorger, on verra. Et si jamais, il n'y a pas, bon, ben... Il est vraiment en train de nous la mettre à l'envers, là. Mais non, mais attends. Bruce, tu te rends bien compte quand même que la personne qu'on a vue se faire égorger n'est que vous déjà... avez vu. Que vous avez vu.
Et les pranks, toutes les semaines, vous m'en faites. Exactement. La fois où vous avez... Mais d'habitude, on les avoue tout de suite, là. La fois où vous m'avez fait croire que j'avais une super force. La fois où vous m'avez fait croire que j'étais invisible. La fois où vous m'avez fait croire qu'en fait, tu venais de la planète Vulcain et que j'étais un Vulcain. La fois où vous lui avez fait croire qu'il y avait un cache-cache. Bruce. Hein, cette nuit. Bruce. Ah, c'était vrai, on s'est caché de lui. Quelle est la collection de comics que tu rêverais le plus d'avoir? C'est simple. Tous les Batman, tous les hors-séries de Batman, tous les crossovers avec Batman, le crossover Wonder Woman Batman, ainsi que le Superman Batman. Édition collector. $112. Je te promets, Bruce, que si tu nous aides à se sortir de là, tu les auras. Moi, je ferai Est-ce que je t'ai déjà menti quand ce que je, lorsque je t'ai promis quelque chose en échange d'un service? Oui. Mais oui, mais je te parle pas de ces services-là. C'était des blagues, c'est pas pareil. Ah, voilà. À part les fois où tu m'as menti. Non. Oui, voilà. Donc je te promets. Attention. Oui. Il y a Madame, Madame Smith, elle est témoin. Madame, vous êtes témoin. Je prends note et je note. $112. S'il n'y a pas le Batman hors série spécial, c'est mort. Batman versus Superman, j'ai compris. Tu as ma parole. On est vraiment en train de jouer à pile ou face notre destin sur est-ce que tu vas acheter ou pas des BD à ton pote. Quoi de mieux que de jouer à pile ou face sur Bruce Wayne, madame. Et t'arriverais presque. Je pense que... Voilà. Bon, maintenant qu'on a discuté et que tu vas pouvoir lui mettre ses comics en ordre dans le cul, est-ce qu'on pourrait pas aller sur le lac et au pire, si on a tort, c'est pas grave. Oh, elle dit cul. Je pense qu'on est à un stade où c'est plus moins très grave. Oh non, mais il y a moins deux. Non, mais il y a moins qu'un au début du... Non. Oh là là, non, je les note, mais... Si on a tort, au pire, vous aurez qu'à faire ce que vous voulez. Mais si on va sur le lac, c'est pas grave, s'il n'y a pas de méchant, bah vous avez rien à perdre. Bon, écoutez, je vous propose de rester là avec Barbara, puisque vous tenez absolument à rester là. Ah, je reste pas avec Barbara. Non, je reste pas avec Barbara. Vous voulez venir avec moi dans la cabane? Regardez si on peut trouver des... Non, on est dans la cabane. Dans le cabanon, je veux dire, les cabanons Arc, là. Non, on y va tous. Ceux qui veulent rester, restent. Mais moi, j'y vais. On y va tous. Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que s'il y a des gens qui doivent prendre des risques, autant que ce soit le sportif et l'adulte qui est responsable. Vous voulez faire deux groupes de deux? Je pense que c'est le mieux, comme ça. Si jamais il y en a un qui s'en sort pas... puis comme ça, ça te perd. Moi, je sais que tu es du même avec moi, Bruce. Moi, je me mets avec elle comme ça. Si ils peuvent plus communiquer entre eux, ils peuvent plus nous avoir. Et vous savez si moi je suis. Elle est encore bourrée. Réfléchissez pas. Si je vais avec Kyle, que toi tu restes avec Barbara, ils peuvent plus nous avoir, ils peuvent plus communiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on va se séparer. C'est ça là. Ouais. Et vous restez là, vous êtes bien, vous pouvez faire des chamallows, vous pouvez faire continuer à bouffer mes Tic Tac antidépresseurs là, et puis moi je vais. Ça a toujours été une bonne idée. Essayer de trouver un t-shirt pour Kyle. Barbara. Oui. Ils essayent de nous la mettre à l'envers. Je pense qu'ils essayent. Tu vois, Bruce ? Oui. Ils font des messes basses. Ça fait des messes basses chacun son côté. La mettre à l'envers. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de se prévenir s'il y a un souci. Tu sais faire l'alouette? Papa, oui. Oui. Ok. Tu sais le faire très 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 fort. Je peux le faire très très fort, mais je vais pas le faire maintenant, sinon ils vont entendre que je le fais. Ouais, c'est ça. Ok. Barbara, je te propose, tu check Bruce, tu le lâches pas d'une semelle. Et moi, je m'occupe de Madame Smith. Tu es prête à me sacrifier? Et à être pote avec une Bruce. Enfin, je vais essayer. Okay, je lui mets un rituel et je prends sa main et je fais un délire de rituel de protection. voilà. Je me dis, ça va te porter chance. C'est super, j'en avais vraiment besoin. Madame Smith. Dis-moi tout, Bruce. Leur petite messe basse. Si j'étais un profanateur des galaxies, alias un PDG, un PDG. C'est exactement ce que je ferais.
Je pense qu'ils sont en train d'essayer de nous entourlouper. On ne devrait pas leur laisser le temps de nous entourlouper comme ça. Ils sont peut-être en train de trouver un moyen pour, encore une fois, nous flouer. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on mette le plan à exécution. Bon, après, moi, si jamais j'arrive à choper le numéro Batman à $112... Oui, mais ça, t'inquiète pas. Ou bien me faire profaner des galaxies. Je suis prof, je peux te les acheter. T'es... Bon, Bruce, tu veux me raconter l'histoire de tous tes super-héros à la con pendant que les autres, ils nous sauvent ? Oh, ouais, alors. Allez. Du coup, Madame Smith et Kyle Montgomery vont se jeter à l'extérieur pour aller au cabanon récupérer ce qui éventuellement pourrait vous aider à la suite de la nuit, donc qui d'un peu de matériel ou d'une arme d'une arme par destination, d'un objet détourné que vous pourriez utiliser ou d'une batterie, qui sait. Vous vous jetez tous les deux à l'extérieur en direction du cabanon. Il y a toujours ce silence pesant dehors. Vous marchez plus ou moins tranquillement avec cette quand même paranoïa hein, qui vous guide depuis tout à l'heure, à savoir vous regardez tout autour de vous, vous êtes très méfiant, peut-être que vous êtes un peu dos à dos, sans doute toujours avec les lampes torches pour y voir quelque chose. Et qui d'entre vous va le remarquer en premier ? Je vais voir combien vous avez en percevoir en l'occurrence. Ce sera Cindy Smith. Je ne sais pas comment tu vas réagir, mais donc pas loin de ce cabanon dans lequel, vers lequel vous êtes en train de vous diriger, il y a aligné au sol, bien proprement, les mains posées en croix sur leur poitrine, les autres élèves, Jackie, Quinn, Ellie et Gail. Et quand tu t'approches, trigger warning, description relativement sérieusement glauque, ils sont alignés là et on a retiré leur visage. Donc en fait, on a juste décollé toute la peau de leur face comme si leur peau était un masque et qu'on avait voulu le retirer. Ok. Pour toi, ils ne sont pas en train de faire une blague. Ils sont bel et bien morts. D'accord. À ce moment-là, je me rends compte que ça peut pas être un prank et que voilà, qu'on est bien dedans, quoi. D'accord. Je crie déjà un petit peu. Je crie et je me colle à Kyle. Et j'essaye de calmer, c'est un bien grand mot, mais de faire comprendre à Madame Smith qu'il faut pas faire de bruit. Mais là, je suis un peu horrifiée. On a entendu nous. Et j'ai du mal à. Vous avez entendu, et du coup, Madame Smith, tu vas acheter un dé de tension, parce que j'aimerais que tu fasses un jet de ressentir, là, pour le coup, pour essayer de rentrer en connexion avec tes émotions, et puis te calmer, parce que tu es en train de hurler. Ouais. En dépend comment vous allez vous faire remarquer. Donc, okay. C'est important. Okay. Tu as 4 en ressentir en ce moment et j'aimerais que tu obtiennes 5. Ça veut dire qu'avec un dé de tension, tu dois faire 5 ou 6. Eh bien, c'est parti. Ah ! C'est un 3. Je hurle. Je hurle à plein poumon ! Ok, je ne m'arrête pas. Les deux sont écartés. Je mords tes doigts pour pouvoir crier. Du coup, en termes de règles, ça veut dire que là, vu la situation, tu es dans ce qu'on appelle un moment d'effroi. Quand un personnage vit une expérience terrifiante et traumatisante, la joueuse peut complètement cramer un fusible. C'est ce qui est en train de se passer. Pour toi, en ce moment, tu as vu des mutilations, des hallucinations. Tu vas du coup me jeter 2d6 et on va voir s'il y a un effet qui va être permanent sur le personnage ou temporaire sur le personnage parce que tu as... Là, c'est horrible. Là, c'est plus... Absolument. C'est plus possible, en fait. Si tu vas développer un alcoolisme ou une addiction au cachet, par exemple. Ah bah non. Non. C'est très gâché. Je viens de faire un 5 et je fais un... C'est un 3. D'accord, tu es troublé. Tu as pour l'instant
malus de moins 1 à tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de cette scène. Donc au moins jusqu'à ce que tu règles la question et que Barbara et Bruce viennent vous rejoindre. Donc t'es dehors, t'es en train de hurler. Kyle essaie de te calmer. Kyle, tu vois que ça a malheureusement pas vraiment d'effet en fait, parce que elle est en train de hurler. Toi-même, je pense que quand tu vois tes camarades comme ça, tu détournes les yeux. Ouais. Et ce qui devait arriver arrive, c'est que vous faites énormément de bruit et que toi, alors qu'elle est plantée là et qu'elle veut pas bouger, et que madame, il faut vraiment y aller là maintenant, vous faites trop de bruit, madame Suisse. Bah, en fait, autour de toi, tu entends que dans le bois, ça craque, ça presque ça court, ça grogne, il y a des bruits de pas. Ça va pas le faire, il va falloir bouger du coup, vite, maintenant, vite, parce, okay. que, en fait, parce qu'ils arrivent en fait. Donc je la porte. C'est ton truc, mais... Faut faire quelque chose. Et du coup, je retourne vers la cabane pour prévenir Barbara et Bruce. Je pense qu'avec Bruce, on est direct allé au moins à la fenêtre quand ça a hurlé, ouais. Et on a essayé de peut-être de l'ouvrir ou d'entendre ou de... Ah oui, j'ai ululé. J'ai... Et moi, je fais blablabla. Voilà. Ok. Donc il me donc il me répond. Du coup, je dis à Bruce, il y a vraiment un gros souci s'il fait ça. Je pense qu'il faut soit aller les aider, soit partir. Et moi, je commence à crier. Tous au barque. Ok. Donc vous l'entendez hurler ça de l'intérieur de la cabane. Ouais. Il a dit moi, quoi? Je l'ai entendu, elle, ululer, et lui faire l'hirondelle à l'extérieur pendant que Madame Smith crie. C'est pas POV ça. Donc en fait, concrètement, tu sais, je fais... Encore un de vos coups fourbes, mon dieu profanateur de galaxie, laissez-moi sortir. Et je passe par la porte, j'ouvre la porte, et tu sais, je me mets un peu, tu sais, je regarde Barbara, vous m'aurez jamais, je suis trop malin pour vous. Et je cours pour aller sauver Madame Smith, qui est en grand danger d'après moi, quoi. Ouais, donc tu vas pas du tout vers les barques, tu pars vers le cabanon et tu vas à la rencontre de Kyle et Cindy. Du coup, Barb, tu te retrouves toute seule pour aller courir vers les barques. Ouais. Est-ce que tu vas ou est-ce que t'as tellement peur que tu suis Bruce? Comment tu gères le truc? Tu dis non, mais c'est bon, je gère, je vais toute seule, quoi. Bah déjà, je sais que mon frère a un souci, donc je vais pas rester là à rien faire. Par contre, avant de partir, je vais voir si je peux trouver soit quelque chose pour m'éclairer, soit quelque chose pour... Une arme, même si je sais très... Enfin voilà, je sais. Mais quelque chose pour me défendre ou quelque chose pour m'éclairer. Parce que bah, là, j'avais plus... Bah tu peux, pour te défendre, attraper, aller... si t'as un peu de chance, mettons... un très bon gros bout de bois, une sorte de bûchette, tu vois, près du feu, qui est quand même relativement solide. Ok. Oui, bah des branches de toute façon qui traînent. Ouais, okay. Des chaises, on en avait utilisé 6. Ouais. Ok. Ouais, bah je vais rejoindre, mais tout en marchant, je me fais une incantation. Ça marche. Donc du coup, bah ça court dans tous les sens. Hein. Kyle et Cindy vers les barques d'un côté, Barbara et Bruce vers eux de l'autre, donc pas dans la bonne direction a priori, en tout cas pas celle qu'indique Kyle. Oui. Avant que vos deux groupes entrent en collision de manière un peu chaotique, ouais, merci. Il y a néanmoins beaucoup de choses autour de vous, hein, dans les fourrés, dans le bois, qui commencent à s'approcher. Et chacun, dans chacun de vos groupes respectifs, vous voyez qu'en fait sortent du bois et se répartissent sur les berges plusieurs de ces silhouettes avec des toges et des masques, et qu'elles sont presque calmes. Et que en fait elles vous regardent et elles sont dans une forme de d'arc de cercle, du coup se servant de la rive en fait comme d'un guide, et du coup leur mouvement très calme, inéluctable, approche vers vous et ça vous le remarquez tous alors que maintenant l'eau reflète de plus en plus cette forme qui est au-dessus de vous et vous avez même l'impression que depuis tout à l'heure la planète est encore plus près, plus le temps passe dans cette nuit, plus vous avez l'impression qu'elle est quasiment à côté de la Terre. Enfin, c'est de plus en plus effrayant. Cindy, tu es en crise. Kyle, tu cours très vite. À côté de toi, Kyle, sur cette plage,
alors que tu es en train d'aller le plus vite possible. Tu vois, t'es le quarterback, quoi. Ouais, c'est comme si t'avais plaqué quelqu'un et que tu courais avec. Il y a une de ces choses qui passe juste à côté de toi, qui veut essayer en fait de t'attraper. Et tu remarques que elle a une sorte de scalpel dans la main. C'est une petite arme, comme une sorte de petit stiletto, très pointu, très coupante. Et qu'en fait, sur ton passage, elle essaie de t'en mettre un coup pour t'empêcher d'aller vers les barques. C'est une confrontation, et dans ce cas-là, la confrontation, c'est affronter. La chose contre laquelle tu es en train de faire la bagarre a un score de 4, et elle est obligée de jeter un dé de tension. Toi aussi, tu as déjà 6, et tu vas jeter un dé de tension. On va calculer en opposition qui a le meilleur score, et c'est celui qui a le plus grand score, qui met des dégâts à l'autre. Ça veut dire que même si elle t'attaque, si elle rate, tu lui mettras des dégâts. Par contre, si elle réussit et qu'elle fait plus, c'est elle qui te les mettra. Donc je jette un dé pour ma part. Très bien. Et je fais 4, j'ai donc toujours 4. Ça n'a pas changé. Je fais 6. Donc c'est parti, une prof sur l'épaule, la main en avant de l'autre, tu sais, pendant que tu es en train de courir, tu le vois dans son mouvement et tu le fais tomber à terre. Il se ramasse tout son corps dans le sol. Ce qui te gêne un peu, c'est que la manière qu'il a de tomber, que ce truc a de tomber, ça n'a pas une manière très humaine de tomber. C'est souple, c'est flottant, ça fait presque pas de bruit. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très gênant. T'as l'impression de faire tomber un tas de tissus plus que de faire tomber une personne. Peut-être ça te glace le sang, mais en tout cas, tu arrives à te diriger vers les barques. Okay. En face, il y a Bruce qui est parti en premier comme une flèche, qui tarde pas à vous rejoindre. Et par contre, il y a Barbe qui s'était arrêtée un peu, qui avait ralenti pour ramasser un bout de bois et qui était partie à la suite de Bruce et qui du coup se retrouve un peu toute seule sur la fin du ponton, essayer de retrouver son frère. Et toi aussi, il y a une de ces choses qui vient vers toi. Donc, Barbe, ça craint un peu. Toi, t'as 2 en affronter et 3 en franchir. Ça veut dire que t'es pas forte pour faire la bagarre et que t'es pas forte pour t'enfuir non plus. Le truc qui te court après, il va vraiment essayer de t'attraper. Donc là, pour ce faire, moi, je te propose une solution. Et c'est toi qui vas faire comme tu veux. Ouais. Tu as 3. Et si, avec un dé de tension, donc en faisant 5 ou 6, tu arrives à passer à 4, in extremis, tu pourras rejoindre tes camarades. Mais si tu rates avec ce dé, tu rates. Tu prendras des dégâts. Et ça se trouve, juste la créature va t'attraper. Ou alors, tu peux choisir de subir une blessure. Là, maintenant, tout de suite, la créature te met un coup de son petit couteau dégueulasse juste au moment où tu passes. Mais par contre, tu as l'assurance de pouvoir t'enfuir et rejoindre le groupe. En gros, est-ce que tu tentes ta chance avec le hasard et tu risques de te faire capturer? Ou tu tentes pas le hasard, mais tu paies un prix. Et ce prix, c'est une blessure que tu conserveras jusqu'à la fin du scénario. Bon, je m'étais dit que j'allais peut-être tenter de refaire mon incantation de tout à l'heure. Alors, j'avais pensé à ça. Tu as devant toi, c'est un petit peu difficile parce que c'est pas un focus, c'est un rituel. Si ouais, oui, d'accord. Je pensais juste refaire celle qui m'avait permis de me renvoyer vers la lune. Mais ok, d'accord. Bah, je pensais à ça pour. Parce que je suis toujours persuadée qu'ils viennent d'un endroit où je peux les renvoyer. Alors, tu veux lui dire la phrase que tu as prononcée tout à l'heure? Oui. Ok, bah, tu peux essayer. C'est une possibilité ou voilà, okay, c'est pour ça, ou ça t'arrange pas ou... Alors, tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui m'arrange ou qui ne m'arrange pas. Mais c'est ton choix. Faut me dire si tu veux essayer ça, du coup. Ah, j'hésite. J'hésite parce que c'est voilà, pour le moment ça n'a pas été très probant. Hein. je vais prendre une décision. Fais à pile ou face. Non. Un des 6 perd un père, effectivement. Non, je pense que je vais garder ça pour un moment où je pourrais peut-être tenter vraiment quelque chose. Mais je vais.
Je vais peut-être tenter le dé. Ok. Donc redis-moi, faut que je fasse... Faut que je fasse 5 ou 6. 5 ou 6 sur un dé 6. Ah oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Je sors du cadre, je reviens dans une seconde. Continue. Hein. Ça marche. Vas-y, ça marche. Ouais, je vais... Je vais tenter. Un suspense insoutenable. Oui, je suis désolée. Ouais, je suis désolée, j'hésite énormément. C'est la vie de ton personnage quand même. Hein, c'est la vie de mon personnage, ouais. Ouais, non. Bon, je vais prendre... allez, je finis par me décider. Je vais prendre la solution qui m'assure une blessure. Excusez-moi, je suis passée par toutes les étapes. Mais j'ai encore des choses à faire et à dire. Du coup, cette chose passe à côté de toi, te lacère avec un coup de cette lame qui ressemble à une sorte de scalpel. Tu sens dans tes côtes une douleur lancinante. Tu ne penses pas que ça ait touché un organe sensible. Néanmoins, ça a traversé. Tu sens vraiment la peau, la douleur. Potentiellement peut-être une côte un peu fêlée au passage. Tu te rattrapes comme tu peux, tu trébuches. Et c'est vraiment une Barbara qui aura pour le coup un -1 définitif jusqu'à la fin du scénario pour tout ce qui est physique, ce qui était déjà pas ton point fort, mais qui va rejoindre tes camarades. Donc, là, vous êtes à peu près tous arrivés. Et je ulule en venant pour qu'ils sachent que ça va pas. Vous êtes tous en train de halter, de courir. Vous arrivez au niveau des barques. Il y a derrière vous cette horde de choses qui s'amassent au bord du lac. Alors que vous êtes sur le ponton et que vous dirigez vers les barques, pas d'accord, pas ok, pas vraiment les uns avec les autres, mais dans une sorte de chaos organisé. Vous vous jetez sur les pontons vers ce qui semble être votre seul échappatoire, ces petites embarcations. Et ce qui est glaçant, c'est que derrière vous, ces choses s'arrêtent sur la berge et commencent à chanter, à livrer des imprécations, les mains tournées vers le lac et vers le ciel au-dessus de vous. Vous êtes arrivé aux barques. Qui monte avec qui fait quoi? Il y en a 3-4 là au bout du ponton. Et vers où vous allez? Moi, au moment où j'arrive, je suis toujours convaincu que Madame Smith est en danger. Mmh. Et donc, je la vois. Donc je vois quand même Kyle qui l'a sur l'épaule. Il a repoussé des trucs. Enfin, j'ai vu un petit peu qu'il se passait des choses. Moi, je suis arrivé à fond de balle avec un espèce de cri guerrier façon Bruce Davis, quoi. Donc, laissez Madame Smith. Et vraiment, je suis rentré dans Kyle. Mais vraiment, si on confronte mon score de force et son score d'endurance, je pense que ça va être très, très drôle. Mais probablement, j'ai tenté une espèce d'action de renversement, mais je pense que je vais, comme un poteau ou un mur, quoi. Je vais, donc, un petit bruit sourd, ça va faire ouh. Je vais tomber, ils vont probablement me regarder un petit peu, genre, mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? Et avant de réaliser un peu que bah, on est cerné, parce que moi, je suis arrivé en courant et j'ai croisé personne, et qu'on est cerné par les profanateurs de Galakly. Les PDG. Et là, du coup, je me tourne dans le même sens qu'eux, quoi. On va reculer vers une barque. Est-ce qu'on rentre à 4 dans une? Si vous le voulez, oui. Oui. C'est moi, pas spécialement dangereux, mais je sais pas si vous êtes assez copains pour être tous dans la même jusque-là, et donc c'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous voulez vous séparer dans ces barques parce que vous prenez la même? Moi, je réfléchis déjà, pas. Je me calme un petit peu, et le fait que Bruce soit arrivé et nous ait fait un petit choc, ça m'a remis les pieds sur terre un peu, ça m'a réancré un peu dans le présent. Donc je commence un peu à retrouver un peu mes esprits, je me calme un petit peu. Bon, déjà, j'ai arrêté de crier. Et bon, voilà, ça y est, je commence à comprendre un petit peu où on est, ce qui vient de se passer, etc. Quoi.
Et du coup, je commence à courir vers une barque. Je demande à personne ce qui se passe ou quoi. Je cours et je m'assois dans une barque et je me fous au fond de la barque et je commence à essayer de me calmer un peu, quoi. En toute logique, j'arrive un peu après, de toute façon. Et de base, je vais me diriger vers Kyle. Mais je sais pas si j'arrive assez vite avant qu'il parte, limite. Quoi. Ton frère va t'attendre, à mon avis. Ouais, je pense. Moi, effectivement, c'est-à-dire que j'ai vu Madame Smith qui, du coup, a repris un peu, a repris ses esprits, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, et qu'elle est allée se mettre dans une barque. Bruce est à mes pieds parce qu'il vient de se rentrer dedans. Et effectivement, je fixe ma sœur et je suis en position d'attente pour que dès qu'elle soit à mon niveau, je puisse l'aider à embarquer dans la première barque qui me tombe sous la main. Et tu ne peux pas manquer de voir qu'elle saigne abondamment au flanc. Oui, c'est ça. J'arrive en boitant et je ne sais même pas comment j'arrive jusque-là, j'imagine, vu ce que je viens de vivre. Donc, bah voilà, je me dirige juste instinctivement vers qu'elle. Et je dis, faut qu'on s'en aille. Je dis ça en... Et du coup, moi, je la prends, je la porte. Respirant à peine. Voilà. Encore. Parce que j'aime bien porter les gens. Monte dans une barque avec elle. Est-ce que tu les portes haut? Oh. Évidemment. Celle-là, elle est faite. Allez, on l'a. Incroyable. Incroyable. Il va y avoir de ces courbatures, par contre, le Kyle demain. Voilà. Oh ouais. Donc, vous finissez quand même tous dans la même barque, malgré les oppositions et les dérapages qu'il y a eu. Qu'on y réfléchit même pas. Entre vous. Ouais. Et vous commencez à voguer sur ces flots calmes et tranquilles. Comme on l'a vu tout à l'heure. On est d'accord que c'est des barques avec des rames. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord qu'on a des pagaies. Ouais, ok. Comme on l'a vu tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. C'est des rames et donc tu voulais dire que c'était toi qui ramais parce que c'est physique, j'imagine. Parce que voilà, c'est ça. Ouais. Et tu n'as toujours pas de t-shirt, rappelons-le. sur le coup, tout de suite, j'ai pas froid. Ouais. Ce qui, bizarrement, a un effet un peu apaisant sur moi. Oui. Oui, absolument. Ça m'apaise un peu, ça me ramène un peu terre à terre, là. Comme nous l'avons vu au début de la présentation du contexte, ce lac a une forme très particulière. Il est immense, hein, plusieurs dizaines de kilomètres de circonférence. Il est très profond aussi. Et vous êtes vous étiez dans les cabanes sur la rive est. Okay. Le bras d'eau a traversé pour aller donc sur l'île centrale et qui est pour vous du coup la rive ouest, ben, qui est juste en face de vous, est relativement important. Mais c'est pas infaisable, hein. Vous pouvez le faire en ramant, mais ça prend du temps. Et c'est vers cet endroit que vous avez, enfin en tout cas l'un d'entre vous au moins, Kyle, a observé une lumière tout à l'heure. Si vous redescendez vers le sud, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Si vous montez vers le nord non plus, c'est des étendues sauvages. Par contre, vous savez que vous venez du nord. Le Missouri est au nord des monts Ozark et c'est de là que vous venez. Donc voilà, je ne sais pas quelle sera votre décision, mais en tant que meneuse de jeu, je dois vous dire que vu l'heure, on est dans la dernière demi-heure de jeu et que beaucoup de choses vont se précipiter. Et donc, ce dernier choix sera un choix critique qui entamera en tout cas la clôture de notre aventure pour ce soir. Donc vous avez le choix de tenter la chance et de partir au nord pour esquiver cet endroit et tenter de retrouver votre domicile un peu au hasard en vous disant que peut-être il y a des routes mais peut-être que vous allez vous perdre en pleine forêt et juste jamais rien retrouver du tout ou vous diriger vers une lumière mais qui peut être tout aussi funeste qu'une aide pour vous, vous n'en avez aucune idée, c'est 50-50. Ok. Moi déjà, je regarde sur la berge de là d'où on vient, voir ce que font les personnes qui nous poursuivaient, voir si elles s'arrêtent au niveau de l'eau, voir si elles prennent des barques pour nous suivre, ou voir ce qu'elles font, quoi.
elles ne prennent pas de barque pardon, pour vous suivre et ont l'air d'être lancées dans des imprécations et des formules à l'attention de quelque chose, à tout à la fois du lac et de cette forme qui est dans le ciel. Plus le temps passe, plus cette planète avance à tel point que presque vous avez l'impression que maintenant, si ce n'est pas un effet d'optique ou que ce n'est pas votre fatigue, vous avez presque l'impression qu'il y aurait comme le frottement d'une atmosphère sur les côtés, vous voyez, comme une sorte de vrombissement inquiétant. Et vous ne savez pas trop ce qui va se passer, en fait. Mais, et si cet astre entrait en collision avec la Terre? Ah, dans ce cas-là, là où on fuit, ça change pas grand-chose. Non. pas des masses, non. Moi, je propose malgré tout quand même. Je propose qu'on aille vers la lumière. Pour moi, c'est là où il y a notre potentiellement un bureau de notre père en plus. Donc, mais. Bon, il faut que tu nous en parles d'abord. Mais oui, une fois que tu nous as expliqué le truc, que t'as vu une lumière. Je vous explique, puis je vous la montre parce qu'on la voit toujours, je présume. Ouais, ouais. Ok. On la voit encore. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller. Et moi, j'en profite pour un peu, toujours en train de galérer un petit peu. Attendez, je vous demande une petite minute, excusez-moi. J'en profite pour leur dire que je suis vraiment désolée parce que tout ça, je crois que c'est de ma faute. Ah non, pas ça, pas maintenant là. Voilà. Ah, moi j'attendais ces petits moments de révélation et j'en profite pour dire aux gens du chat que tous les personnages que vous voyez ici ont tous des petits secrets dans la manche qui les lient un petit peu à l'histoire de ce soir. Donc, et alors pourquoi est-ce que tu nous dis que c'est de ta faute? Elle a parlé un dialecte même pas klingon tout à l'heure, elle a fait des tas de trucs là. Oui, mais on n'a pas vu que ça servait à grand chose, hein, donc bon. Ouais, mais c'est de pire en pire depuis qu'elle l'a fait. C'est vrai. En fait, c'est un moment, j'avais entendu parler d'un rituel qui était super bon pour ouvrir les chakras et qui pouvait peut-être me projeter dans une nouvelle état de sorcellerie qui pourrait enfin m'aider à trouver la sorcière qui est en moi. Et en fait, quand je l'ai fait, ça a eu l'air de... Ça s'est bien passé et tout ça. Sauf que depuis que je le fais, enfin, depuis le jour où je l'ai fait, je vois toujours le même cauchemar. Et le problème, c'est que ce cauchemar, je l'ai vu tout à l'heure aussi. Un peu pour de vrai, je crois. Et c'est en fait... il y avait vraiment cette planète... Enfin, il y avait vraiment pas tout à fait la planète, mais il y avait dans... Dans mon rêve, il y avait une espèce d'immense cité dans laquelle je suis allée tout à l'heure. Vous m'avez pas vue, mais je vous promets que j'y étais. Il y avait une espèce d'énorme cité et avec des dunes et tout ça. Et j'ai pas trop compris ce que c'était sur le moment, mais il y avait aussi un lac. Et le problème, c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à ce que j'ai vu. Et dans ce que j'ai vu tout à l'heure, il y avait des gens masqués. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, ce rituel, je vois ça toutes les nuits. Et là, je le vois pour de vrai. Mais est-ce que t'as une solution dans tes cauchemars? Est-ce que t'as vu quelque chose? Il y avait... Non. J'avais peur. Mais il y avait pas d'indice, pas de résolution. Comment est-ce qu'il termine ton cauchemar? Il y avait pas ça. Enfin, les gens masqués, je les ai vus tout à l'heure, oui, comme là. Et comment il se termine ton cauchemar? Il se termine pas. C'est juste est-ce comme qu'on ça. Pourrait pas faire, est-ce qu'on pourrait pas faire comme les groupes de rock satanistes et répéter sa phrase, mais à l'envers? Pour désincantiliser. Te souviens déjà de ce que t'as dit comme phrase? Oui, mais du coup, j'ai pas le redire. Oui, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Et j'y suis retournée. Mais vous m'avez pas vue. Non. Non. Sauf que du coup, ce rituel, il y avait une date précise à laquelle il était censé aboutir et c'est aujourd'hui. Ah, et justement, le jour où il y a le croisement de la constellation d'Orion et d'Aldébaran. Mais c'est pas ça, justement, tu comprends pas que c'est moi qui ai fait ça? Comme de par hasard. Et toi, y a rien dans tes livres d'astrophysique qui nous disent ce que la constellation d'Aldébaran et du chien malade croisé, ça nous fait? Non. Lui, il nous parle juste de fromage, des fois. C'est hyper loin, y a personne qui a été. Les planètes aussi, c'est censé être hyper loin, et regarde. Ah ouais, forcément. Il y a rien dans les bouquins d'astronomie? Non.
c'est formel. Éventuellement dans un ou deux comics, peut-être. Mm. Mais à moins de faire venir le Silver Surfer, je pense que... Tu peux faire un jet de connaissance, Bruce Davis. Oh. Bien sûr qu'en 85, l'ouvrage dont est tirée toute cette histoire existe déjà. Ah, peut-être ai-je lu quelque chose. Peut-être as-tu lu quelque chose. Attends, je me trompe de feuille. Donc, Bruce Davis. C'est raisonné. Oui, c'est du raisonné. C'est même. Ouais. C'est du raisonné. C'est très bien. Okay. T'as déjà 6. En fait, t'as déjà 6. Donc, on va pas t'imposer un jet supplémentaire. Laisse-moi vérifier un truc. Les informations se recoupent. Juste la date, en fait. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai des équations comme... oui, comme le même, là. Des équations partout, là. Comme le oui, même. Oui, oui. Mais si, maintenant que tu y penses, en fait, ces constellations, ces couleurs, ces masques... Mais Robert W. Chambers a écrit... The King in Yellow, et t'as un peu l'impression que finalement, ce qu'elle est en train de te dire, Barb, ça ressemble en fait hyper à ça. Et ce festival, et ce roi, et ces masques, et cette ville. Après, elle nous a pas parlé du roi. Dans oui, pas encore. j'ai oublié. Mais j'en ai parlé plus tôt, j'ai dit qu'il y avait un roi. Moi, je le dis. Ouais, moi, je le dis, du coup. Je le dis un peu tout haut, genre, un peu comme tout à l'heure avec Rakesh. Sauf que c'était une grosse connerie. Mais là, je fais... Oh, le roi en clone. Ouais, tu connais ? Toi aussi, tu fais des rituels ? Mais non, mais que... La cité, le roi, la planète, le... C'est dans un bouquin, hey, ça. Hey, coucou du Graille des Jeux ! Bonsoir, bonsoir, je suis très discrète. Quand on est en plein roleplay, merci pour le raid, coucou. Merci. Merci, le raid. Évidemment, mais c'est dans un bouquin. Mais toi, tu lis pas de bouquin. Si, mais de magie. Et Bruce, le plus troublant, c'est que c'est un... Alors, il fait partie, ce livre, des vrais faux livres de la culture populaire, où en fait, tu vois, il fait partie d'un corpus de textes où on s'est toujours demandé si c'était que du flan, ou si genre vraiment, il avait vraiment révélé un mystère, ou si c'était juste de la fiction. Donc tu tombes vraiment sur un des ouvrages en plus, quand tu y penses, oui, c'est vrai qu'il est... C'est quand même troublant, du coup. Est-ce que je peux retirer des infos un peu quelconques sur cette prophétie ou éventuellement le moyen de rompre le truc ? Est-ce que comment ça se termine ? Non, ça ne s'est pas accompli. Alors en gros. Si tu te souviens un peu, c'est une pièce de théâtre dans laquelle, bon, en gros, il y a des éléments sur un être surnaturel et obscur qui doit venir dans une ville. Le problème, c'est que il y a à ce moment-là toute la ville qui est sous son influence et qui prépare son arrivée, en fait. Tout le monde a des masques parce que le roi est toujours représenté avec un masque. Il a l'air de venir d'une autre dimension et de pouvoir ouvrir des portes entre des mondes et entre des dimensions. Il promet des choses à Cassilda, qui est la reine des lieux, et Cassilda est une figure féminine prophétique, du coup. Et il y a un gouffre traumatisant et effrayant dans la pièce parce qu'en fait, elle se finit pas. Elle ne va pas jusqu'au bout. Ce qui se passe, c'est que quand il vient, on lui demande d'enlever son masque à un moment donné. Et en fait, la réponse qu'il donne, c'est que ce visage atroce n'est pas un masque. En fait, il ne porte pas de masque. Et on n'a pas idée de ce qui advient des habitants de cette ville après. Mais ils sont complètement annihilés et comme disparus à l'arrivée de ce roi. Voilà, c'est une pièce sulfureuse parce que on dit de réputation que les gens qui vont la voir au théâtre en sortent fous et que même les gens qui ont lu le livre, parfois, il leur arrive des choses très étranges après dans leur vie. Et peut-être que tu as un petit regret là tout de suite de l'avoir lu, du coup.
C'est ça. Oh non, le mauvais jet de connaissance. Oui, c'est ça. C'est... ça tombe bien, ta fille de base. La dépression instantanée. Bon. Bon, Bruce, qu'est-ce que tu sais, toi, vu que t'as lu plein de trucs et que moi je lis pas? On est tous foutus. Comment ça, on est tous foutus? On est sûr. On est tous foutus. Il va venir. Ça va être la fin. Avec des mots. La fin de quoi? Qui va venir? Comment on fait? Le roi. Le roi en jaune. Le roi en jaune. Mais on n'a pas de roi en jaune, là. On a que des hurluberlus en toge. Non, ouais. Mais personne va venir, là. Je vais ramer un peu plus vite et puis on va s'en sortir. Allez. Ouais, rame. Il y a une planète qui est en train de nous tomber dessus, donc là je sais pas trop comment on peut essayer de s'en sortir. Hein. Un rituel? Vous. Encore. Ça marche pas. Truc, là. Je sais. Finissez de traverser ce lac d'huile profondément noir quand votre barque traverse le reflet de ce qui est dans le ciel. C'est un moment extrêmement dérangeant. Vous voyez les ondes déformer l'image et vous avez presque peur de ce qui pourrait surgir des flots en dessous de cette barque insignifiante sur ces profondeurs abyssales qui sont en dessous de vous. Et alors que vous arrivez en face, cette lumière se fait de plus en plus grosse et vous êtes tout à la fois intrigué, rassuré et en même temps d'autant plus effrayé lorsque vous comprenez que c'est un gros spot industriel qui a l'air de marcher sur un groupe électrogène que vous commencez même à entendre tout sauter depuis la barque. Il y a, alors que vous approchez, clairement dans la paroi rocheuse et dans la forêt, des infrastructures humaines qui sont construites de ce côté-là de l'île, si je peux dire l'île, vous avez vu, c'est très très grand. Ouais. Et il faudra vous approcher pour en voir un peu plus, mais en tout cas, c'est il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Okay. Et on voit un bâtiment. Oui, surtout... quelques petites infrastructures extérieures, okay. Plutôt des tours, des escaliers, des petites guérites, mais tu vois pas de grands bâtiments, en tout cas. Ok, d'accord. Oui, on voit pas juste un spot, quoi. Y a pas, c'est pas ok. Bah, on va aller vers le bâtiment. Il nous faut encore une fois s'abriter et puis un endroit pour réfléchir à ce qu'on doit faire. Peut-être des gens. S'il y a un spot. Bah... Le spot est en fait en train d'éclairer une sorte de courette qui est au bord d'un ponton aménagé. Et lorsque vous arrivez, vous voyez également donc que il y a surtout en fait une entrée qui a l'air d'être aménagée dans du béton dans la rive. Oui. Nickel. Ça veut. Allons nous séquestrer. Il n'y a pas un tapis welcome. Il n'y a pas de paillasson avec écrit bienvenue. J'allais dire que mais il y a un détail qui n'échappe pas à Barbe et Kyle, c'est que sur toutes les petites choses qu'il y a autour de vous là, les lampes, le matériel, etc. Bah il y a le logo de la logo du papa. Montgomery Incorporated quand même. Ok. Eh ben, ça me rassure pas pour autant. Ouais. Vous êtes chez vous, hein. Ils se gardent bien de nous le rappeler. Ouais, c'est clair, ils nous le disent même pas. Papa, apparemment. Ouais. Ça garde les infos, Ouais. J'ai dit. T'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Et on fait quoi de ça? Parce qu'avec ce que tu m'as dit, bizarrement, je sens moyen le coup du trou de la cave, là, en plein milieu de la forêt. Je sens pas très bien non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore les messes basses? Est-ce qu'on pourrait arrêter les messes basses, s'il vous plaît? C'est le logo de papa. Qu'est-ce qui est le logo de papa? Ce qu'il y a sur les trucs, là? Oui, le symbole que vous voyez. Il y a écrit Montgomery, si vous faites un peu gaffe. Mais c'est bon signe, ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui travaillent pour vous, là. Il est balèze, notre papa? Oui, comment? Il est balèze. Il a plein de gens balèzes autour de lui. Il pèse lourd, ouais. Ok. Je sais pas si c'est rassurant. Disons que ça fait quelque temps qu'il y a des gens qui bossent pour mon père et qui disparaissent.
Ouais, mais là, il y a peut-être des gens qui vont apparaître, qui bossent pour alors, votre... Alors, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être sauf que... Vous savez si... On n'en sait pas plus que vous à ce niveau-là, du coup. On sait... Il y a des gens qui travaillent de nuit pour votre père. Normalement, normalement ça peut arriver, mais sauf que... Là, on le saurait. Après, ce serait... Il y aurait plein de gens. Ça fait quelques temps que notre père achète des terrains, on ne sait pas pourquoi. Il est très énigmatique dans ses affaires, on n'en sait rien. Donc, vous savez pas ce qu'il fait dans, comme travail, votre père ? Ah, mais si, il est dans le bois, mais il nous dit pas dans plus. Dans le bois, mais bon, après... Mais y a rien de bizarre, il fait juste du bois. Bah, y a rien de bizarre jusqu'à ce que des gens disparaissent, quoi. Bah, et puis, voilà. Oui, mais bon, ça arrive. Il y a des gens qui sont égorgés. C'est plus inquiétant. Apparemment. Il y aura peut-être un téléphone quelque part, du coup, si... Moi, on est... Après, s'il y a un téléphone, il est très certainement pas dans ce trou dans le sol. Tout juste. Bah voilà, on vous a dit ce qu'on sait, donc... Est-ce qu'on a un autre endroit que ce trou dans le sol ? Je sais pas, notre mort imminente à cause de la planète qui nous fonce dessus. Sinon, est-ce qu'on peut pas aller voir le générateur et voir s'il est pas relié à quelque chose qui nous permettrait de contacter quelqu'un ? Ou est-ce qu'il mène pas... Enfin, est-ce qu'il y a pas un câble qui mène vers le sous-sol ou quelque chose pour voir où va l'électricité ? C'est vrai que si un générateur, vu qu'on l'entend, il alimente un truc. Est-ce qu'il y a de la lumière qui sort de ce trou un peu Ou du bruit ? Il y a une légère lueur, oui, quand même. Et pour répondre à la question du professeur Cindy Smith, oui, vous voyez qu'il y a clairement un ensemble de gros câbles électriques un peu maladroits qui s'enfoncent depuis le générateur vers cette profondeur et que ça a l'air de vouloir alimenter quelque chose un peu plus bas dans quel que soit ce dispositif, mais il y a probablement quelque chose. Tout nous laisse penser que le centre d'intérêt de tout ce lieu en entier se dirige vers ce trou. Oui, c'est un peu grossier de ma part, mais en effet. je crie pour savoir déjà dans le truc, je dis juste s'il y a quelqu'un le plus fort possible, juste pour savoir si on me répond, parce que je me dis, bon, s'il y a des gens, ils devraient répondre. L'écho de ta voix te répond. Je prends mon courage à deux mains, je suis l'adulte responsable, et je décide de rentrer dans le trou dans le sol et je leur dis de me suivre mais de loin pour être sûr que si jamais il y a un problème ils puissent sortir rapidement et je leur dis qu'il serait bien aussi s'il y avait quelqu'un qui pouvait rester un petit peu à l'extérieur pour surveiller qu'il se passe rien à l'extérieur en même temps et moi je rentre dans le sous-sol pour voir ce qui se passe. Moi je propose de vous suivre Madame Smith avec Barbara pour que je t'aide à marcher aussi Barbara et Bruce je te propose de nous attendre ici. Non, qu'on reste en contact. Non. Mais au moins qu'on reste en contact. Moi, je suis pour qu'on y aille, soit tous, soit pas. On va être hyper en contact parce que je vais vous coller au cul. Oui. Et ben alors, on y va tous ensemble. Mais je passe devant. Je suis l'adulte responsable. Juste avant de descendre, je prends mon collier, je le mets sous un caillou quelque part devant. Genre, bien en évidence, au cas où. Genre, qu'ils disent, bah voilà, mon collier, c'est un truc que j'ai souvent. Du coup, c'est en mode, bah, je suis allée ici. Je le mets vraiment le plus en évidence possible, proche, parce que je veux pas aller loin, mais voilà. Ok. Cindy, tu entres la première. Tu vois, en suivant ce gros tas de câbles, plusieurs choses. D'abord, ça mène à une sorte de grosse armoire complexe électrique, dont apparemment des choses ont brûlé, sont cassées. Il y a sans doute pas tous les systèmes qui sont en état de fonctionnement. Sans doute que la décharge qui a eu lieu, qui a à la fois abîmé ton buste, tes lampes et l'électricité des cabanes, n'a pas épargné une partie du matériel ici. Pas tout. Ça a l'air d'être un matériel d'une qualité remarquable et toi, tu n'y connais pas forcément grand-chose. Il y a peut-être Bruce, il s'y connaît un peu en matos électronique, qui va reconnaître, mais c'est clairement une qualité de matériel que tu n'as pas chez un civil ou chez toi, où tu captes pas quoi. Et de là, il y a, depuis cette grosse machine, différents câbles qui, du coup, n'ont plus l'air d'alimenter d'autres services. Et ce que vous voyez tous très rapidement, c'est qu'il y avait deux gars qui étaient aux manœuvres de cette machine, compris un coup de jus phénoménal. Ils ont sans doute été traversés par... Je ne savais pas quel voltage, mais c'est ultra flippant. Et en fait, du coup, ils sont carbonisés
et tous leurs muscles sont tétanisés et recroquevillés sur les manettes qu'ils étaient en train d'activer, de pousser. Et donc, ils ont... Et donc, il y a deux cadavres carbonisés sur cette machine. Okay. Et de là, il y a deux autres couloirs, un qui va vers la droite et un qui va vers la gauche. Où vous ne savez pas encore, du coup, ce que vous allez trouver. Et moi, déjà, je préviens les autres. Je vous dis, regardez pas par là, regardez pas à gauche. Il y a un truc qu'il faut pas regarder. Regardez plutôt à droite, on a déjà bien assez de problèmes comme ça. Regardez pas du côté, du coup, de l'armoire où il y a les travailleurs qui sont pris une petite décharge. Je leur dis, regardez de l'autre côté, comme ça, il n'y a rien, quoi. Maintenant, devant moi, il y a deux chemins. Il y en a un qui part à gauche, un qui part à droite. Je vois rien. Les deux sont exactement pareils. Je ne peux pas vous décrire quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un choix? Est-ce que je suis mon instinct? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je cherche juste s'il y a un symbole de notre père sur un chemin ou un truc. Mais bon, j'imagine que je ne vois pas. Mais je cherche. Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, pardon, vous cherchez quoi? J'étais en train de décrire à votre attention. Oui, et du coup, vu. Je n'ai pas entendu. Oui. Vas-y. Je disais juste que je regardais si je voyais un symbole propre à l'entreprise du papa. Sur un des deux chemins, peut-être, qui dirait un bureau ou je ne sais quoi quoi. Sur tous les chemins. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Donc, il n'y a pas de signe distinctif. Okay. Bon, bah. Et si vous avez un peu de curiosité... Il y a 2-3 papiers, 2-3 dossiers qui ont survécu aux brûlures électriques qui sont un peu éparpillés au pied de ces cadavres, mais c'est pas ragoûtant, il faut aller les récupérer à côté, quoi. Je me dévoue. Ok. Tellement fort. On a encore un petit peu de lumière dans le tunnel, hein. On est d'accord? Oui. Okay. Ouais. Ça vacille, t'as une lumière sur 3 qui est allumée, t'as l'impression que c'est comme si... Il devait y avoir plusieurs groupes, en fait. Le groupe électrogène de l'extérieur, puis d'autres sans doute dans les profondeurs du machin, et qui sont plus tous en fonction, qu'il y en a qui ont sauté, d'autres pas, et donc tous les systèmes sont plus alimentés. Toi, tu récupères 2-3 paplards, tu fais une synthèse, Kyle, et c'est très complexe, il y a beaucoup de mathématiques, il y a de la physique, il y a des calculs, pour toi, c'est du charabia. Par contre, il y a quand même des notes internes en anglais, classique, quoi, qui disent qu'apparemment il y avait une mesure de protection essentielle à faire sur le site Alpha 4 et qu'il fallait le faire à une date bien précise, le 22 mars 1985, avec l'heure précise, et qu'il en allait de la sécurité nationale et que c'était des ordres qui provenaient du général Montgomery. Général Montgomery. Absolument. Ok. Très pas bien. Du bois, papa. Non, c'est pas du bois. Papounet, tu as des choses à nous expliquer. Donc je transmets toutes ces informations que je découvre. Hein. Voilà. Mais papa, il savait. Le 22 mars. Oui. Oui, hein. On est d'accord. Mais ça nous dit pas de quel côté on doit aller. Est-ce que dans cette manœuvre de truc à faire là, le 22 mars et tout, est-ce que j'arrive à trouver quelques indices qui préciseraient un peu plus? Pour toi, je veux pas être insultante, hein, mais je crois que tu as genre, Kyle, genre 2 en raisonnée, 2 en connaissance. Oui, et du coup, tu aimerais bien en comprendre davantage, mais pour toi, c'est un peu trop complexe. Ok. Ça ressemble étrangement à ton devoir de géographie. Ouais. Et de géométrie, et d'histoire. Et de français. Et de français. Enfin, tout à part. Bah, je vous donne les papiers. Je vous donne les papiers, je vous dis, tenez, si vous y comprenez des choses de plus que moi, regardez, mais je pense qu'il faudrait qu'on avance. Et je demande moi, je pense qu'on avance, hein. Je demande rapidement à Bruce, est-ce que dans le bouquin, il y a une sorte de portail ou un truc, ou une porte, ou un passage? Est-ce qu'on peut au pire regarder les papiers en avançant? Ouais, bien sûr, on discute en avançant. Dans le bouquin que j'ai lu, il n'y a rien qui va nous aider. Hein. Et encore, j'oublie des passages. Ouais. Parce que ça le résumé, on va là où il y a des méchants.
le résumé que Bruce peut vous faire, c'est qu'en effet, pendant la préparation de ce festival, on sent, oui, qu'il y aurait un événement cosmique particulier lié à ce roi qui va se passer, mais on n'en apprend pas vraiment grand-chose puisque la pièce ne se termine pas. Donc, c'est tout l'intérêt du bouquin, d'ailleurs, qui ne se termine pas. Toi, tu as vu des choses, et tu ne comprends pas tout ce que tu as vu, Barbe, mais tu sens aussi que c'est pas de bon aloi, que quelque chose va potentiellement se réaliser si on ne l'empêche pas et que ça peut être très grave. Qu'elle comprend que votre père est peut-être pas du tout un gars qui travaille dans le bois et qu'en fait, il sait sans doute un peu plus de choses, mais que sa tentative a peut-être à moitié raté parce qu'il y a le site 4 où, je sais pas, ces mecs, ils ont peut-être eu un problème électrique ou que sais-je. Et finalement, vous commencez un peu à recoller les morceaux comme ça. Vous engouffrez plus loin dans cet endroit inconnu, puis vous arrivez dans une grande salle, vous finissez par arriver dans une grande salle où en fait là vous êtes un peu suspendu à ce que vous voyez parce que là il y a des potards, des machines, il y en a la moitié éteinte, la moitié allumée, ça n'a pas l'air de fonctionner normalement, il y a une lumière rouge un peu clignotante qui a l'air de dire alerte, alerte, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Et au milieu de ça, il y a clairement une sorte de Stargate, quoi. Un anneau avec des symboles ésotériques, des machins, genre what, comment et tout. Et encore une fois, ici, un type qui avait la main prêt à appuyer sur un énorme bouton rouge hit me, tu vois, sur un machin, et qui a essayé de le faire et qui est mort électrocuté là. Il y a des machins de partout. Et vous êtes là et vous vous dites en fait que le destin vous a choisi parce que là à l'extérieur, ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Hein. Quelque chose va arriver. Vous savez pas comment ça fonctionne, mais eux, ils ont pas réussi, clairement. Et apparemment, si on n'appuie pas sur le bon bouton ou que l'électricité elle est pas remise normalement, surtout, on finit comme ces types là. Du coup, j'ai envie de vous dire, à la fois votre destin est entre vos mains sur ce que vous allez essayer de faire, mais peut-être que c'est un peu plus que le vôtre aussi, là tout de suite. C'est aujourd'hui qu'on sauve le monde. Ouais, on est la Ligue de la Justice. Ouais. Je regarde un petit peu partout, j'essaie de comprendre. Avec mes notions science-fictionno-geeko, qu'est-ce qui peut, à quoi ça, enfin, concrètement, ils ont pas réussi à activer quelque chose qui est crucial pour empêcher ce bordel. Alors, j'essaie de trouver de mettre ça en place. Alors, ce qui est génial, c'est que la logique dans ta tête, c'est que déjà, le monde est bien fait, et puis les MJ sont sympas, mais déjà, il y a une synergie entre vous quatre à trouver pour faire quelque chose. Chacun d'entre vous a un rôle dans l'équation qui est en face de vous. Il y a une part clairement ésotérique à ce qui est en train de se passer, et décrypter ces symboles, ces machins sur la roue au milieu, c'est pas de la science, c'est autre chose. Il y a une part cosmique, un réglage, c'est comme une sorte de petit télescope. C'est qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on fait, où on regarde, qu'est-ce qu'on règle. C'est pour moi ça. Non, je déconne. Kyle. Allez, Kyle. Il y a une part plutôt de débrouillardise, de gérer même quand on gère rien du tout, de trouver sur quel bouton appuyer au moment de le pire du désarroi. Et ça, c'est clairement pour Madame Smith, c'est son truc. Pour le pouvoir de la désolation. Et il y a une part physique, parce que ces gars-là, franchement, s'ils n'ont pas réussi à appuyer sur les boutons, c'est parce que c'est des fragiles, ok. Et parce qu'ils avaient gardé leur t-shirt. Ils n'auraient pas été dans l'abri numéro 1, ils sont pas cool. Voilà. Ça te rappelle ta chanson, souviens-toi. Bien sûr. Du coup, comme j'aime beaucoup le faire en jeu de rôle et surtout en one shot quand il faut
respecter des timings un petit peu différents. Bah, en fait, vous avez absolument, si vous avez besoin de mon aide, je peux absolument vous aider à trouver ces idées, bien sûr. Mais ce que je vous propose pour clôturer votre aventure, c'est d'étayer ensemble, grâce à vos capacités respectives, un plan qui règle quoi, comment, de faire un moment de narration partagé assez enlevé. Et vous choisirez deux concerts à vous quatre en vous concertant. Si vous vous reposez uniquement sur cette narration et vous gagnez le jeu ou vous perdez le jeu, enfin vous prenez votre décision, vous me dites comment ça se termine. Ou, une fois que vous avez fait cette très belle scène de narration, est-ce que vous choisirez, d'un commun accord, de vous en remettre au destin et d'ajouter un dé de tension à ce qui se passe pour voir si vous échouez ou réussissez à faire ce que vous essayez de faire. J'aime bien le destin, mais vous avez les cartes, vous avez les cartes en main, car ce n'est pas moi qui vais décider du sort de votre personnage, c'est vous qui allez décider du sort de vos personnages. Bon. Il va falloir le mec qui décide à ma place, il n'est pas né, moi je vais te le dire. Les quatre chevrons. On a chacun un chevron à enclencher. Ouais. Et on sauve le monde. Est-ce qu'on est sûr que ça va être bien ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est sûr qu'on veut sauver le monde? Parce que grosso modo, c'est des cons quand même. Franchement. Bah, c'est surtout que si on sauve le monde, on sauve peut-être aussi les gens qui nous poursuivent depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va pas leur profiter? Mais si je peux me permettre, je pensais pas dire un truc comme ça aujourd'hui en me réveillant ce matin. Mais je suis pas convaincu qu'on était poursuivis par des humains. Parce que quand je les ai vus se casser la gueule sur le mec qui a essayé de me foncer dessus tout à l'heure et tout, il est pas tombé comme un humain. Je pense que si on y arrive, on va réussir à se débarrasser d'eux surtout. Ouais. Moi, écoutez-moi bien. Ouais. Non seulement on peut le faire, Madame Cindy Smith, mais on va le faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est hors de question que je ne connaisse pas le Marvel Cinematic Universe un jour. C'est beau, putain. C'est pour ça qu'on va réussir. T'as raison. Pour le Marvel Cinematic Universe. Pour le MCU. Pour le MCU et contre les PDG. Contre les PDG. Alors, c'est le nom officiel, c'est les PDG. Bien sûr. Ouais. Moi, je vais donc m'occuper du truc de régler les lentilles, de faire tourner les manivelles. Il est possible qu'il y en ait une ou deux qui coincent et je demande un coup de main à Kyle. Je suis là. Vraiment, je calibre le truc et le machin. Et au moment où vraiment, moi, je pense que mes calculs sont bons et que ça vise effectivement les coordonnées, vraiment l'intersection parfaite de la constellation d'Orion et d'Aldébaran du Taureau. Au moment où je fais ça, je les regarde et je fais « Chevron 1, enclenché. » moi, je sais pas, parce que je crois que j'ai des choses à décrypter. J'imagine qu'il y a des commandes avec une inscription, probablement. Et du je me rends compte qu'il faut une personne chaotique pour pouvoir actionner ces manivelles. Et du coup, j'appelle Madame Smith en lui disant « Madame Smith, j'arrive, le chaos, c'est pour vous et que c'est... Il faut que vous laissiez faut que vous mettiez tout votre chaos dans vos mains. » J'arrive en tant que personne chaotique et je regarde un petit peu tout ce qui se passe et il y a une chose vraiment qui me tape dans l'œil, c'est que il y a quelque chose qui m'attire le regard, mais pas pour la bonne raison. Ça m'attire le regard parce que il y a des petites pierres incrustées dessus qui sont plutôt sombres, plutôt noires, et je me souviens que plus tôt tu m'avais fait comprendre que aujourd'hui, je ne devais pas aller vers les pierres noires, et du coup, je sais que c'est pas la voie à prendre. Déjà, je sais que ce petit truc-là, il faut pas. Il faut vraiment pas que je l'actionne. Donc, je me dirige tout de suite vers l'autre côté de la console et vers les autres petits engrenages, enfin, vers les autres petits trucs à choisir, quoi. Ok. Et je lui dis, écoutez ce que vous dit votre instinct. C'est toi qui me l'indique. C'est toi, mon instinct. Mon instinct, Barbara. Nous sommes finalement deux parties d'une même pièce. Madame Smith. Et finalement, ces parties peuvent communier pour former quelque chose de beau qui sauvera le monde. Avec mon chaos et avec tes pierres, on peut sauver l'univers. La psychologie et la magie ensemble.
La psychomagie. La psychomagie. La psychomagie. Du coup, je pense, il y a deux manivelles, donc on actionne, je pense. Voilà, il y avait une partie ésotérique et une partie psychologique. Elle est... et voilà. Chevron 3 et 4, 2 et 3, enclenché. Chevron 2 et 3, enclenché. Et moi, avant de passer à l'action à proprement parler, je chante une toute petite partie de, de mon avant-dernière compo qui s'appelle Wildfire. Oh là là, sans ouais. T-shirt en plus. Qui dit, we are like a wildfire burning bright in the dead of the night, weary night. Through the darkness, with blaze of trail, leaving behind a fiery tail. Ce qui veut dire en français, nous sommes comme un feu de forêt brûlant brillamment. Au cœur de la nuit, nous allumerons. À travers l'obscurité, nous tracerons notre chemin, laissant derrière nous un récit enflammé. Oh là. Oh, magnifique. Donc je me dirige sur l'énorme bouton pas ouf rouge. Si on laisse les flammes derrière nous, mais c'est pas grave. que le soldat en piètre état n'a pas eu le temps de, sur lequel il n'avait pas eu le temps d'appuyer. Et pousse-toi. Gage, je fais. Torse poil là. Bon. Beaucoup de poings, je frappe dessus. Et je dis, chevron 4. Pareil. Oh. À ce moment-là, du coup, autour de vous, ça change complètement. Vous voyez que tout ce que vous avez fait a réenclenché l'électricité. Là-bas, les filles, clac, elles ont remis en route les générateurs, les signes ésotériques sont en place. La visée cosmique en plein vers Aldébaran du Taureau et Orion est hyper bien calée grâce à Bruce. Kyle, il va torse nu en sueur, il appuie sur le bouton. Ça met le système en route. Un courant électrique traverse son corps, il fait mais il lui arrive rien parce que lui, c'est pas fragile. C'est... Et du coup, à ce moment-là, vous avez le choix. Est-ce que vous avez envie d'ajouter de l'aléatoire ou est-ce que vous vous sauvez et sauvez le monde? Moi, je vote pour l'aléatoire. Moi, je suis le chaos, l'aléatoire. Je vote pour des losers encore. Ça se trouve, on a tout halluciné à cause des cachons, il n'y avait rien depuis le début. Et moi, je me suis coupé sur une branche. Des gros losers flamboyants. D'ailleurs, au moment où on enclenche tous les trucs, moi je fais Cosmo, 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 Cat. Eh bien, écoutez, je pense, vu votre amour du chaos, on va juste faire un 50% sur les impairs. Il y aura une conséquence. Ouais, vous verrez bien. Sur les pairs, vous sauvez le monde et c'est la vraie bonne fin du film. Okay. Et vous pouvez choisir qui jette le dé, c'est pas moi. Qui prend cette responsabilité. Moi j'aimerais bien que ce soit Linou quand c'est même. Moi oui. Bien que moi j'aimerais bien aussi, je trouve que c'est logique. Pour c'est moi, le destin qui doit. C'est très beau. Moi j'ai pas envie que ça tombe sur un père, mes pauvres, mais bon. Bah écoute, on... c'est comme ça. Allez. Ça tombe sur un père, c'est 3. Ok. Ah. Bien, tu es le chaos. Moi j'avais pas dit ça, moi je voulais que ce soit Locke. Je me souviens, j'avais entendu, c'est vrai. Trop tard. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. On est là pour le chaos. Héros ou pas là? Ouais, c'est ça. Chaos enfin. C'est quoi sauver le monde s'il n'y a pas une conséquence? Oh la musique. Oh le concert de. Oh c'est bien ça. Oh il y a des batteries électriques. Vas-y Kyle, chante. Le courant électrique traverse le corps de Kyle. Il devient blond et ses cheveux se dressent sur sa tête. Dans la pièce, l'espèce d'anneau entouré de signes ésotériques et astrologiques commence à tourner à toute vitesse. Ce qui crée un vortex qui commence à tout aspirer dans la pièce. Les papiers, les boutons, la casquette de Kyle qui est projetée par ses cheveux blonds et qui est emmenée à l'intérieur du vortex. Les morceaux de t-shirt qui restaient en lambeaux accrochés sur lui qui y vont aussi. Les pierres autour du cou de Barb. La lunette cassée de Bruce qui s'enfuit. Les dernières pilules d'antidépresseurs dans la poche de Cindy Smith qui volent partout dans la pièce et ça finit par vous absorber. Vous. Ah vous. J'ai le fan art que ça peut faire. Gobé à l'intérieur. Ça tourne. C'est genre
des couloirs, des endroits, des dimensions. Vous savez pas où est-ce que vous êtes en train d'aller. Vous savez pas vraiment si vous savez si vous avez sauvé la Terre. En tout cas, vous, vous êtes toujours en vie. Ça dure un moment, puis vous tombez lourdement quelque part. Blam. Ça fait déjà mal. Moi ça va. Ouais, t'es... toi. Moi ça va. Y'a pas quelqu'un qui veut me porter, s'il vous plaît, vers l'homme de marche. Ouais, c'est ça. Il a menti ta chute. Et autour de vous, il y a une ville. Et c'est pas 1985. Et c'est même pas 2024. Oh. Et c'est putain de cyberpunk autour de vous et... Ça, ce sera une autre histoire si vous avez envie. Ouais. On a trop bien fait. Oh. Oh my god. Oh là là, et puis là, avec la caméra qui recule. Je vais vous montrer une surprise parce que j'ai mon graphiste avec qui on fait les jeux. Ah, attention, vous êtes nous pas a, prêts. Qui nous a écouté ce soir et donc il nous a fait un cadeau pendant qu'il écoutait le live. Donc il a fabriqué l'affiche de votre film en fait pendant la soirée. Et c'est dinguerie. Donc je vais vous la montrer oh du non. coup. Ah ouais. Parce qu'elle est, elle est très cool. Bien. Alors attendez, il est où mon truc? Je l'ai encore perdu. Dans notre conve, sinon. Là, voilà. Alors, je vous montre ça, voilà. Avant, ils sont avant partis que... dans les c'est couloirs assez... du temps. Wow, voilà. C'est stylé. Wow, c'est stylé. Wow. Love, oh, c'est du lourd. Cœur de galaxie. Oh là là, c'est si lourd. Et voilà, vous avez donc joué l'invasion des profanateurs des galaxies de Halley Lake, qui était donc un scénario absolument improvisé de A à Z, qui n'a pas été écrit, qui est un bac à sable, qui est généré par les aléas du dé, par les aléas du Dirty System, dont nous sommes les créateurs, ma personne, Linou Major Zero, et la personne qui a fait ce très beau visuel que vous pouvez voir, qui fait aussi toutes les maquettes de nos réalisations. Kirkosa 2077, ouais, c'est ça. Du coup, voilà, inspiré, comme vous l'avez compris, du roi en jaune. Et il y a le signe jaune sur la planète. Tous les détails sont là. Si ça vous a plu, je ne m'empêche pas hein, de faire un peu ma pub, mais vous pouvez retrouver bien sûr, toutes ces fais-le. Créations de jeux sur ma boutique, sur mes Vous avez les points d'exclamation dans mon chat, donc n'hésitez pas, ils sont dans le titre. Et je serais ravie... de vous expliquer en privé si vous avez des questions et ou de vous initier au jeu de rôle si jamais vous voulez découvrir également, avec grand plaisir. Oui, j'en fais plein sur ta chaîne en plus. Ouais. J'en fais presque tout. Bah, y a au moins tous les mois et demi, un nouveau projet JDR sur la chaîne et on le diffuse une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et notre prochaine grosse échéance, c'est un tournage en avril, puisqu'on tourne plus comme ça en virtuel avec des cams, mais un vrai tournage avec, j'allais dire, un plateau. On va pas s'exciter, on a deux fonds avec des draps noirs et des fonds verts, et voilà. Mais on a des vrais cams et des vrais micros, et on va tourner. Donc aussi du jeu de rôle un peu théâtral, comme vous avez vu, ce soir, on était dans un jeu de rôle plutôt narratif, où le système s'efface un petit peu derrière... les échanges, la narration, le discours entre les personnages. Et c'est un petit peu ma cam, c'est ce qu'on fait. Et merci à Lox de m'avoir proposé l'aventure. Merci à toi d'avoir accepté. Vous tous d'avoir joué, c'était trop bien. C'était vraiment, franchement, c'est impressionnant comment tu construis ça autour de nos actions, qui parfois sont assez incongrues, assez imprévisibles. Enfin, on n'essaye pas de faire de l'anti-jeu, mais imprévisible en tout cas, ça c'est certain. Et t'as réussi à tout faire enchaîner malgré le fait qu'en fait tu dépends entièrement de nos décisions. Et c'est fou. c'est l'entropie. Ah, c'est incroyable. Et c'était trop cool. C'est vraiment une manière de jouer que j'apprécie. Je fais pas que ça. Parfois, je fais des grandes campagnes préécrites. Enfin, voilà, ça dépend quoi. Mais ça, c'est vraiment une manière qu'on aime en one shot. Parce que du coup, vous voyez, sur un temps réduit, on a fait 2-3 ajustements des moments pour faire des ellipses pour avancer, mais on peut faire tenir un jeu en un temps assez court et le terminer sans avoir la frustration
de pas aller jusqu'au bout d'une grande campagne ou ce genre de truc. Il y a même un petit to be continued en plus, c'est trop cool. Et si un jour on est chaud, moi je dis Carcosa 2077. Oh, c'est classe en plus. C'est tellement classe comme ambiance. Grave. Ouais, c'est... carrément. Eh, on a bien fait de laisser parler le destin quand même. Ah ouais, ah ouais, ouais. Franchement, clairement. Sinon quoi, on rentre chez nous, on va au lycée, tu sais. On est des héros, personne nous croit. Et ouais, ouais, grave. La deuxième fin, c'était quand même un truc un peu cool, un peu. Bah, j'aurais sans doute fait de vous des héros, tu vois, un truc très à l'américaine, tu vois, c'est genre comment, c'est Bruce Willis qui rentre à la maison, tu vois. Genre... D'accord. Mais en mode, les gens le savent pas, tu vois. C'est vous, vous le savez. Ouais, vous avez fait un truc. On a sauvé le monde. Ça sert à rien, quoi. Et après, je trouve que le côté aléatoire de on sait pas, on est projeté ailleurs, c'était un peu rigolo aussi. Ouais, c'était cool. Ah, beaucoup de claviers, guitare chromée pour Carcosa 2077. Moi, j'imagine hyper une ambiance à la Fury Road pour Carcosa 2077, quoi. Il y a moyen. Ah ouais. Mais sauf tout le monde a des masques. C'est hyper chelou, tu vois. Ah ouais. Il y a un truc qui est super et qui est pas super en même temps, c'est qu'en 2077, je vais enfin pouvoir découvrir mon rêve, le MCU. Et tu vas voir le résultat. Tu vas être déçu. Je vais être déçu de fou. Ils ont fait que ça. Mais pourquoi? Je vais chercher des moyens de retourner. La side quest d'aller regarder le résumé du MCU au cinéma là. Moi c'est Terminator, je dois empêcher ce futur et je dois retourner dans le passé pour empêcher le MCU. Pour dire c'est non. Maintenant. Voilà ce qui va se passer. On retourne au lait. Bruce Connor. Connor. Imagine la frustration. Tuer Robert Downey Jr. pour qu'il soit jamais. Et tu viens tuer George Lucas pour qu'il vende jamais à Disney. C'est ça. Et en fait, au final, ça se passe un truc encore pire. Non, bon, si tu peux t'assurer que Spielberg fasse vraiment Jurassic Park, par contre ça m'arrangerait hyper. Oui. Continue de les faire, peut-être. Ce serait peut-être ça. Et qu'il laisse personne d'autre le faire, par contre. Oui, voilà, c'est ça. Cool aussi. C'est ça. On ne défonce pas Peter Jackson non plus. L'industrie du film. C'était bien cool tous là. Parce que... C'était très 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 cool et je voulais féliciter. Je voulais féliciter les joueurs et joueuses qui sont venus jouer ce jeu parce que non seulement Lox elle a eu la gentillesse de me proposer de faire jouer grâce à Booba qui nous a mis en relation, je remercie. Mais ce qui est incroyable en fait et que peut-être les gens vont pas forcément se rendre compte sur la rediff. Ou même dans ma commu, peut-être ils savent pas. Elles m'ont dit les filles que elles avaient pas une grosse expérience, voire pas une expérience très finie d'un vrai scénar vraiment terminé en JDR. Et puis Aurel, il joue la comédie bien sûr, mais il a pas non plus fait énormément de parties. Et je dois vous dire que ils ont eu vraiment un jeu exceptionnel et vous n'avez pas vu les coulisses de la préparation en fait quand on a fait les persos. La seule chose qui était préparée pour ce soir c'était les persos. Je vous dis, il n'y avait pas de scénar, c'était vraiment mais quand ils ont tous fait leurs persos, la pertinence des backgrounds que j'ai eu était exceptionnelle et c'était drôle tout en étant fin. Et franchement, je voulais qu'on les félicite tous. Et si vous voyez cette rediff, mettez des commentaires, mettez des likes et tout pour eux et elles, parce que vous passez pour des produits d'air sans problème, quoi. C'est trop mignon. Vous n'avez pas à rougir du tout. On était super encadrés aussi, il faut aussi se rendre compte. Hein, c'est que dans la team, on a quand même un joueur qui était expérimenté, ça se voit, qui était à fond et qui aussi, ça fait... Voilà, on avait un peu... Cette béquille, c'est bête, mais quand on a un joueur qui en plus est très très à fond dedans, ça donne du jeu aussi. Et puis Linou, hein, en vrai, hein, c'est Linou, hein, Linou, hein, bravo Linou surtout, en fait. C'est le aiguiller quand on fait un peu n'importe quoi, tu nous laisses nos délires un peu débiles. Non, t'as été incroyable. Tu dis jamais non, tu sais, c'est con, mais ça pourrait, parce que en MJ tu peux, même si effectivement, mais. C'est en one shot, ça peut se comprendre que tu dises ce serait mieux que tu fasses ça, tu l'as jamais fait. Non, vraiment. C'est un truc de fou, donc merci, t'es trop forte. Incroyable. Et, voilà. et ça c'est mon message à tous les MJ, à toutes les meneuses qui me regardent, quand vous faites un one shot, faites des post-it les gars,
préparez pas le scénar. Comme ça, vous serez pas frustrés si les gens vont pas là où vous voulez qu'ils aillent et vous aurez pas envie de leur dire non. Parce qu'en fait, il y a rien de préparé, donc ils vont pas casser les choses. Il y a rien de construit. On peut rien casser quand rien n'est construit. Il faut juste être fort en impro. Donc ça veut dire que voilà, en fait, c'est de l'impro en fait. En fait. Ouais, c'est imprévu. Elle est arrivée comme ça. Si MJ, si le MJ ou la MJ vous dit non, tu devrais pas faire ça. Déjà. Oui, ça pue. Il y a un truc qui déconne. Ouais. J'ai quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il a eu une très mauvaise expérience avec le JDR parce qu'il fallait suivre à la lettre ce que le MJ disait et que le MJ a même rage quit à un moment parce qu'il n'arrivait plus à les mettre sur le chemin. Mais du coup, bah, enfin, genre, c'est pas un MJ. Dans ce cas-là, vaut mieux écrire un bouquin, quoi, si tu veux vraiment faire. Voilà, c'est ça. Écrire un livre, quoi. Votre MJ fait ça, bon débarras. Une autre et faites votre truc. Mais c'est que on se rend compte du coup. Le travail d'impro de Linou est quand même il est énorme sur une partie comme ça. Fou. Donc vraiment un immense bravo parce que c'est faut nous suivre quoi. Et puis bah gérer aussi un peu hein. Regarde l'histoire sur quoi elle arrive, c'est triste. En fait ce qui est très cool sur ce genre de jeu donc ça s'appelle, pour ceux qui ont envie de creuser un peu si ça leur plaît, ça s'appelle du jeu émergent. Donc je fais pas que ça, je vous dis plusieurs autres types de jeux, mais dans le jeu émergent, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait on vient plutôt étayer ensemble des personnages comme ça déjà les gens se les approprient, donc ça évite qu'ils se sentent loin ou mal à l'aise dans le personnage, et pour une soirée c'est cool. On fait toujours des liens entre les persos, comme ça va très vite, on rentre très vite dans l'histoire. Il n'y a pas ce truc, vous êtes à la taverne et il faut une heure et demie pour que les persos se connaissent et aient envie de partir à l'aventure. Vous connaissez déjà. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on avait fait. Vous voyez, vous avez un petit secret, un petit truc, un petit twist. Finalement, que vous reliez pas vraiment à l'histoire qui est construite. Elle n'est pas construite. Vous vous dites, tiens, ça ferait une piste intéressante. Si, tiens, on va mettre un petit truc. Voilà. Et ça, en fait, avec le bon décor et le bon endroit où ça se passe et des compétences d'improvisation, c'est ce qui s'appelle du jeu émergent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le MJ qui fait le jeu, c'est les décisions des joueurs et des joueuses qui font le jeu. Ça a ses limites. C'est passionnant. Parce que si ça dure très longtemps, vous avez du mal à retomber sur vos pieds. Là, on a fait une campagne, nous, on a fait 5 scénarios sur notre dernière campagne. C'est la première campagne que je décide de faire full émergente sur les 5 scénarios. J'ai jamais fait ça. D'habitude, je script un petit peu plus, en tout cas des nœuds, des axes principaux. Ça a marché, les gens me disent qu'ils y ont vu que du feu, ils étaient hyper contents, nous on a été hyper contents. Perso, bon, quand je la réécoute, je vois bien qu'il y a des moments où la logique, elle est un peu tordue pour que ça passe, parce que quand tu prévois rien, ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, sur un one shot, si le jeu émergent vous intéresse, il y en a plein de jeux émergents en JDR. Et si vous voulez des références, venez vers moi, je vous en donnerai. Et promis, je ne vous donnerai pas que la mienne, je vous en donnerai d'autres de jeux que j'estime et que je trouve très cool. Et n'hésitez pas à aller voir son taf, !MJ dans le chat, mais vous voyez aussi de temps en temps le message automatique. Parce que Linou, elle fait, entre autres, on parle de scénario, mais c'est son système aussi là, qu'on a utilisé, qui peut être très très simple comme ce soir, qui peut être beaucoup plus complexe pour les acharnés, et qui peut être vraiment être détourné dans n'importe quel type de scénario, etc. Donc c'est voilà, allez voir, c'est très accessible et ça permet de s'y mettre pour des gens qui ne connaissent pas le JDR et qui peut-être en ont un petit peu marre de Donjons et Dragons ou qui en tout cas ont pas une assez grande expérience pour se dire ok, je vais aller tester à une soirée et puis je vais commencer à m'enseigner là-dessus. C'est là vraiment, il y a tout qui est dispo et vous avez sur son site, vous avez tous ces différents liens, donc vraiment allez-y. Et en plus, si vous pouvez aussi vous renseigner un petit peu sur le JDR qu'elle va faire en IRL et soutenir un petit peu son projet. Et faut savoir aussi que tu me disais que t'étais en cours en lice pour un prix. Ah oui, c'est vrai. Parle-en. Mon jeu est relu en ce moment et je sais pas si du coup j'aurai quoi que ce soit, mais par le comité qui dessert donc le prix Rôliste annuellement. Donc le prix Rôliste, c'est des gens qui sont des professionnels du jeu de rôle français qui se réunissent et qui ont plusieurs catégories. Donc dans le francophone, il y a aussi plusieurs catégories. Donc il y a la plus belle maquette, les plus belles illustrations, la meilleure création francophone,
qu'est-ce qu'il y a, le meilleur système, enfin il y a bon plein, vous voyez, c'est comme les Oscars mais pour les jeux quoi, les jeux de rôle. Et c'est divisé en deux branches, en gros les grosses maisons d'édition, donc pas moi de fait, on est deux. Donc voilà. Les indés. Et donc moi je concours dans la catégorie des indépendants. Donc bah voilà, si vous parlez de mes créations, de nos créations avec mon camarade Lazare Barouk qui est dans le chat et qui fait les maquettes et qui m'aide, hein. Il fait pas que ça, il relit, il discute, il apporte des idées, enfin on fait un travail vraiment là pour le coup en commun, bah voilà, on serait très content que vous parliez de nos créations et plus on a de visibilité, plus on sort de l'ombre alors que nous sommes très petits, voilà. Mais oui, et soutenez ce genre de projet qui en plus, ouais. Bah moi je me connaissant pas dans JDR, des projets comme ça, bah c'est francophone, ça fait plaisir en fait, ouais. De pouvoir voir un petit peu des choses qui sont aussi faites ici. Enfin, en fait, voilà, on va dire dans pas besoin de se galérer en anglais ou quoi que ce soit. Et et puis bah vous avez vraiment accès à tout. Il y a une boutique, etc. Donc voilà, c'est très, ouais, accessible. C'est tout est dispo. Qui quoi. Est cool avec le Dirty System. Donc c'est vraiment le nom de ce système générique. Donc il va pour plein d'ambiances, plein d'univers différents que vous voulez utiliser. C'est qu'on était deux créateurs et on a tous les deux une histoire différente dans le jeu de rôle. Mon collègue est plutôt... on n'est pas exactement de la même génération. On a 6 ans d'écart. Mine de rien, dans le JDR, ça fait qu'on n'a pas joué au même jeu au même âge. Oui, pas les mêmes refs. Ça change un peu les approches, pas les mêmes refs. Donc lui, il est comme moi. Il est vers un truc qui va se simplifier là, au fur et à mesure des années, pour que la narration soit plus devant. Néanmoins, il avait ce petit goût de dire « Ouais, mais c'est cool si ça peut être un peu crunchy et qu'on peut être un peu mini-maxeur avec son perso, faire des trucs et tout. » Donc si ça vous intéresse, le Dirty System, c'est un système 2 en 1. Parce que ce qu'on a fait ce soir, c'est la version qui tient en 2 pages. C'est plutôt, on va dire, ma partie préf à moi, parce que c'est très très rapide et ça se prête bien à l'actual play, parce que du coup, c'est très facile à gérer quand il y a des gens et qu'on doit se filmer et tout. Ou qu'on veut aller vite, parce que c'est notre style de jeu. C'est très narratif en plus. Et voilà, et ce qui est cool, c'est que le système qui va plus loin se développe en 40 pages de plus après, derrière, mais c'est la même base. Donc en fait, une fois que vous avez appris, parce que vous êtes débutant, à jouer avec le système en 2 pages, rien ne vous empêche, avec le même livre, d'apprendre au fur et à mesure à vous spécialiser, à faire du JDR de plus en plus ludique, ou pas. Vous faites comme vous voulez, en fait, vous avez le choix. Donc c'était un peu ce qu'on voulait créer. Pour ceux qui aiment le côté un peu plus stratégique du jeu de rôle, avec où on doit vraiment construire, voilà, construire les compétences de son personnage, etc. Il y a vraiment, bah, y a cet aspect-là aussi dans les JDR. C'est vrai que nous là, c'était très narratif, mais on peut aussi avec ce système choisir de le rendre, bah, de rendre les dés, on va dire, plus omniprésents aussi, et de rendre, ouais, nos statistiques beaucoup plus importantes, etc., etc. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, dans l'autre version du système, il y a des tours pour les combats, il y a une initiative, ouais, voilà, et tout. Ça se rapproche plus de ce qu'on connaît habituellement. Donc son système, il est adaptable. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Mais puis ça permet d'évoluer aussi, de commencer avec des bases toutes simples et d'avancer progressivement et tout, d'apprendre ça au fur et à mesure. Et nous, bah voilà, là, ça s'est adapté à des gens qui n'y connaissent rien, comme, oui, moi. C'était mon deuxième JDR. Enfin, moi voilà, aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, ça, c'est ça. Donc, ça s'adresse autant à des novices qu'à des gens qui sont plus confirmés, comme par exemple, bah, notre très cher Bruce Davis, ici présent, Booba, qui est quelqu'un qui en fait beaucoup plus et qui peuvent, eux, se permettre, eh bien, de complexifier un peu ça avec des jets de dés plus présents, effectivement, des statistiques qui peuvent varier, qui peuvent augmenter, qui peuvent, etc. Donc, ouais, c'est un système qui est vraiment cool parce que vous pouvez le prendre au début, apprendre avec lui et du coup vous perfectionner apprendre à même vous ouvrir sur d'autres trucs plus facilement parce que vous aurez les bases et les complexifications et vous aurez cette gestuelle et cette façon de penser un peu JDR qui viendra avec le temps, quoi. Et pour tous ceux qui ont suivi un petit peu là et qui connaissent pas les jeux de rôle et quoi, okay, le jeu de rôle, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a fait là, hein. C'est se raconter des histoires entre potes, hein. Ouais, faut c'est pas ça. Chercher le système, c'est bien, ça donne de l'aléatoire, ça donne du truc, il y en faut, mais dites-vous bien que l'accessibilité du jeu de rôle, c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc c'est du théâtre d'impro, c'est un petit peu de truc, c'est ni plus ni moins que ça. Donc c'est comme je dis souvent aux gens qui disent ouais mais non mais moi j'ai peur, j'ai jamais fait de JDR, je sais pas trop comment commencer. Je dis, je suis sûre que tu as déjà fait du JDR dans la cour d'école quand tu étais un chevalier ou un cosmonaute ou la guerrière trop badass qui avait une épée qui voulait aller casser des gueules. En fait,
la même chose. Non, c'est ça, clairement, ouais. Ouais. Bah, encore c'est un grand merci pour les humains. Ouais. C'était une expérience de fou. Ouais. J'ai vraiment adoré. Merci. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais. Bah, merci beaucoup. C'était trop bien. J'ai passé une excellente soirée. Franchement, c'était top. Merci beaucoup. Juste si la prochaine fois, on pouvait ne pas inviter Lox. J'étais pas là, c'était Barbara qui était là. Mais c'est à cause d'elle. C'est à cause de Barbara. J'y peux rien, elle est incontrôlable. Oui, bah. Ouais. Il y a peut-être un petit peu moins de cailloux sous son oreiller. Ouais, on est en 2077 là, vas-y. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est pour le prochain album, le prochain album de Kai, il va pouvoir mettre un petit peu d'électro là-dedans. Ouais, incroyable. Les nouveaux instruments de musique et tout. Il va pouvoir nous mettre de la fusion là-dedans, ça va être. J'ai hâte. Obsession 2077. World Obsession. Double 077. Ça va pas trop rigoler, quoi. Oh là 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 là, incroyable. Waouh. Voilà. Et ben moi, je vais vous abandonner. Oui, tout à fait. On va se mettre ce petit générique de fin. Ouais. Aussi, parce que la vérité, c'est que je mon bureau est dans une chambre. Et si je ne vais pas me coucher, la personne qui dort dans la même chambre que moi, elle va pas se coucher. La pauvre. Je vais finir par avoir des problèmes conjugaux à cause de tout ça. À cause de nous. Donc, il y a un canapé. Hein. Oui, oh, dis. Oh, hein. Dis alors. Un effort. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous les gens de toutes ces chaînes, la chaîne de Aurel, de Lox et de Soutane, merci d'avoir suivi ces aventures. Puis merci encore à eux de m'avoir permis de faire les zouaves pendant une soirée, c'était marrant. Merci. Et vraiment, allez voir son travail. Le chat, s'il vous plaît. vous étiez nombreux, le chat, ce soir. Ça a bien géré. Donc, des gros bisous. On se met le générique. Jumpez un peu chez vous. Faites-nous ce plaisir. Et puis, à très bientôt. Donc, pour ma part, en tout cas sur cette chaîne, ce sera la prochaine fois pour quand on commencera à diffuser notre actuel play qu'on aura tourné en vrai dans la vraie vie. Donc soyez trop prêts, partagez trop ce qu'on fait, ça va être assez incroyable. Ouais. Des gros bisous. On communiquera ça avec grand plaisir. Salut.